Merci. J'ai pas entendu, Gaël. Une vingtaine de bateaux sur zone, ok. Attention. Générique. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne et sur France3.fr pour suivre en direct l'arrivée de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, première course autour du monde en solitaire pour les trimarans géants. Et le vainqueur, eh bien, vous le découvrez sur ces très belles images. Il s'agit de Charles Caudrelier sur le maxi Edmond Rothschild Gitana 17. Il n'est plus qu'à quelques milles maintenant de l'arrivée, de la ligne d'arrivée non loin de Brest, avec un lever de soleil magnifique, des conditions météo presque inespérées, Yann. Bah oui, c'est vrai que pour tous les Brestois et les Bretons, le temps ces derniers jours a été plutôt perturbé. On n'a pas vu beaucoup le soleil. Il y avait une mer très formée, des vents presque tempétueux hier, jusqu'à 70 nœuds hier matin à la pointe du Raz. Et ce matin, Charles nous fait vraiment le plaisir et l'honneur d'arriver sous le soleil. Et première nouvelle, le bateau vole. Absolument, on le voit. Le bateau donc vole, ouais, c'est vraiment une première. On n'en était pas sûr, hein, peut-être. Non, c'est vrai que après un tour du monde, de le voir sur ces quatre appendices voler au-dessus de l'eau, c'est la première grande surprise. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, Yann Elias, bien sûr, navigateur, vous aussi, vous avez plusieurs tours du monde à votre palmarès, deux trophées Jules Verne en 2002 et 2005 avec Bruno Perron, un Vendée Globe en 2017, vous aviez terminé cinquième, trois Figaro, trois solitaires du Figaro, trois Transat Jacques Vabre. Et puis, vous êtes là avec nous ce matin pour nous faire vivre ce moment. Si tout va bien, on le disait, donc il va passer la ligne dans quelques minutes, en 50 jours et autour de 19h, hein, c'est ça, à peu près? Ouais, c'est ça. Il y a environ 10 000, je dirais, de la ligne d'arrivée qui se situe entre la pointe Saint-Mathieu et le Toulinguet. Le phare du Toulinguet, oui. Le phare du Toulinguet. Donc là, il progresse, je pense, à une trentaine de nœuds à certains moments. Donc, ouais, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, il devrait franchir cette ligne d'arrivée de l'Arkea Ultimate Challenge. Alors, on peut le dire, hein, Yann, c'est un fabuleux exploit quand même qu'il réalise là, Charles Caudrelier. Mais oui, rendez-vous compte, ce bateau qu'on voit à l'image, qui paraît, bon, certes, il est pris de loin par l'hélicoptère, mais il paraît presque intact, il vole encore. Et ben, ce bateau et ce marin viennent de faire le tour du monde, le tour de la planète. Moi, c'était un rêve de gosse en 2002 quand j'ai fait le tour du monde avec Bruno Perron et son équipage. Et donc, voilà, cette planète, il n'aura mis que 50 jours à en faire le tour. C'est tout simplement incroyable. C'est ça, c'est le troisième temps, on le disait, hein, puisque le record est détenu par François Gabart en un peu plus de 42 jours. Thomas Coville avait fait un petit peu mieux, 49 jours. Et puis, Charles Caudrelier, lui, sera donc autour de 50 jours. On imagine bien sûr qu'il a hâte là, d'arriver, évidemment. Mais tout de même, ces derniers jours ont été un petit peu plus compliqués. Il a dû s'arrêter aux Açores, faire une escale à Horta en raison de la météo. Il a navigué, il a choisi la prudence. C'était ce qu'il fallait faire. Ouais. Quand on voit les conditions, effectivement, qu'on a tous vécu ici à la pointe bretonne, ces 3-4 derniers jours avec voilà, des creux de plus de 8 mètres dans le golfe de Gascogne, des vents tempétueux à plus de 70 nœuds encore hier. Bon, il était vraiment urgent et important d'attendre que les conditions s'améliorent. Alors, on le voit, on le découvre à bord grâce à une caméra embarquée. Charles Caudrelier, racontez-nous un petit peu là ce qui se passe et puis ce qui se passe peut-être un peu dans sa tête aussi en ce moment. Bah, je crois que là, il a vraiment envie de nous montrer son bateau. Enfin, voilà, il rend sa copie. Il a vraiment envie de nous montrer le meilleur de ce qu'il est capable de faire. Donc, il a sorti toute la toile. Il a renvoyé la grand voile haute. Elle est tout en haut du mât. Il est en train de border les voiles avec la colonne de winch. Quand on le voit tourner la manivelle, là,
c'est son instrument de torture de ces 50 derniers jours. Ouais. Je pense que c'est là où il a passé le plus de temps et où il a fait couler le plus de sueur, oui, pendant ces 50 jours. Et puis là, maintenant, on voit qu'il a repris la barre. Il a sorti un petit pare-brise pour se protéger des embruns et du vent apparent. Là, quand il avance à une trentaine de nœuds comme ça, il y a quasiment 50-60 nœuds de vent apparent sur le pont. Oui, ce qui fait pas loin de 100 km/h. 100 km/h de vent. Donc, c'est comme s'il sortait la tête de sa voiture sur l'autoroute à 120 km/h. Donc, il fait froid, il y a beaucoup d'embruns. Et puis, il doit faire l'aller-retour avec son ordinateur, vérifier qu'il fait bien route vers la ligne d'arrivée au plus court et au plus vite. Alors, vous le disiez, hein, il est attendu sur la ligne d'arrivée aux alentours de 8h30. Et ici, Kemmelberg, à Brest, 2 heures plus tard à peu près, autour de 10h, 10h30. Et sur le Kemmelberg, on va retrouver Gwenaël Bron, qui l'attend de pied ferme, bien sûr, Charles Caudrelier, et puis qui attend le public aussi, qui devrait être nombreux, on l'imagine, ce matin, Gwen. Oui, bonjour. Effectivement, ça a l'air... Ah oui, tu m'entends un petit peu, pardon. Alors, autant en mer, ça a l'air extraordinaire, mais je peux vous dire qu'à terre aussi, le spectacle est incroyable. Et ne serait-ce que pour se lever de soleil, comme Brest les connaît régulièrement, ça valait le coup de se lever. Les gens ici commencent à arriver. Le village de la course a ouvert à 7h ce matin. Il faisait nuit. Certains ont dormi sur le parking, surtout pour être au meilleur endroit, ne pas rater l'arrivée du héros du jour. Une famille est venue de Bordeaux même, me disait qu'ils avaient fait la route exprès hier. Bien sûr, en profiter pour faire des vacances. Et je discutais également avec un couple d'Auvergnats, des terriens, me disait-il. Je m'entends plus, mais peut-être ça marche encore. Et il me disait, nous sommes des terriens. Alors la mer, forcément, ça nous fait rêver. Tout cela pour vous dire que l'arrivée de Charles Caudrelier ici enthousiasme les Brestois. Ils étaient nombreux pour le départ. Ils seront, c'est sûr, nombreux à l'arrivée. Et ceux qui ne sont pas sur l'eau, eh bien, vont pouvoir suivre le passage de la ligne dans quelques minutes sur l'écran géant. Merci Gwenaël et on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette matinée pour nous faire vivre l'arrivée depuis les pontons brestois. On découvre donc ce bateau Gitana Edmond Rothschild, le Maxi Edmond Rothschild qui fait route vers Brest, escorté par une nuée de Zodiac. C'est un cadeau d'anniversaire aussi qu'il s'offre à Charles Caudrelier puisqu'il a eu 50 ans hier, 50 jours, 50 ans. Il l'a un peu fait exprès quand même, non? Vous ne croyez pas? Ouais, bah, je crois qu'il ne pouvait pas effectivement rêver mieux. Pour l'arrivée, 50 jours, 50 ans, c'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire qui puisse se faire. Et puis j'ai une pensée donc, pour lui, hein, parce que c'est son premier tour du monde en solitaire. Oui. Il a fallu qu'il attende vraiment un paquet de temps avant d'arriver à accomplir son rêve. C'est le fruit du labeur, du travail depuis un paquet d'années. Et ouais. Donc voilà, je crois que ce matin, il doit vraiment être heureux. Il doit vraiment être heureux, effectivement, sans doute. D'autant plus qu'il va rentrer, on le disait tout à l'heure, hein, il va rentrer dans le cercle très fermé des marins à avoir accompli un tour du monde en solitaire et en multicoque hein, jusqu'à présent. Il n'était que 7, ils seront donc 8 aujourd'hui. Là, on mesure quand même la performance, hein, vraiment. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a plus d'êtres humains effectivement, à être allés dans l'espace ou... d'avoir fait une sortie extravéhiculaire que de marins, effectivement, à avoir fait le tour du monde en solitaire. En ultime, c'est encore plus rare. On a maintenant, effectivement, qu'une dizaine de marins à l'avoir réalisé et qui plus est, en 50 jours. Alors, c'est un véritable exploit hein, d'avoir réussi à mener ces bateaux volants autour du monde. On se posait la question avant le départ, est-ce que c'est possible? Est-ce que ces bateaux vont réussir à faire le tour du monde? Eh ben, on a notre réponse. C'était faisable et ils l'ont fait. Effectivement, on en reparlera. Juste une petite, un petit aparté pour la technique. Si on peut nous couper le retour antenne dans l'oreillette. Merci, ce serait plus confortable pour nous. Voilà. Alors, s'il a fait une très belle course, hein, Charles Caudrelier, il a aussi bénéficié des arrêts techniques, hein, faut bien le dire, de tous ses concurrents, notamment d'Armel Lecléache et de Thomas Coville qui se sont arrêtés. Et puis surtout, l'abandon de Tom Laperche avec qui il était au coude à coude hein, au tout début dans l'Atlantique. Tom Laperche, victime d'une avarie qui a dû abandonner malheureusement. Et depuis le 17 janvier, eh bien, il est en tête, seul. Il n'a jamais été rattrapé. Ouais, bah, c'est une véritable démonstration effectivement de force et de maîtrise. Charles et le groupe Edmond Rothschild, depuis 5 ans, on va dire, maîtrisent leur sujet.
Ils ont été les premiers hein, à imaginer ce bateau volant, à imaginer qu'on était capable de faire le tour du monde au-dessus des flots. Et donc, ils arrivent vraiment aujourd'hui à récolter les fruits de cette ambition. C'était les premiers, hein, c'est vrai, à croire en ces bateaux volants, en ces ultimes volants. On rappelle quand même que ce sont des bateaux qui font 32 mètres de long, c'est énorme, 23 mètres de large, la taille de 3 terrains de tennis les uns à côté des autres, c'est pas rien. Ouais, c'est énorme. Et puis de voir qu'il est encore capable de voler là, à ces images au lever du jour à l'entrée du Goulet-Brest, c'est incroyable. C'est vrai que très peu de choses ont laissé filtrer hein, sur les avaries que Charles et le bateau ont eues. On sait qu'il a endommagé un petit peu le bras avant hein, de son trimaran. Ouais, tout à fait. Ouais, les carénages de bras avant. Mais la grande inconnue, c'était de savoir bah, effectivement ce qu'il avait encore tous ses appendices, est-ce qu'il était capable d'être en mode volant. Là, on voit qu'il l'est. Moi, franchement, un grand chapeau à Charles, mais un grand chapeau aussi à toute l'équipe. Alors, on voit qu'il y a des endroits où il doit manquer quand même des morceaux de bras à l'arrière là, d'aérodynamie. Bon, forcément, il y a eu des avaries et puis toute l'équipe va nous communiquer les problèmes techniques qu'il a rencontrés. Mais en tout cas, vu d'ici, le bateau a l'air relativement en bon état. Ouais. C'est vrai que son escale aux Açores aussi a peut-être permis à son équipe technique hein, qui a pu le rejoindre sur place de réparer le plus gros, j'ai envie de dire. Oui, sans doute que ces trois jours ont été mis à profit. Plus pour vérifier, là, on voit sur l'avant bâbord, hein, juste en dessous la voile d'avant, la partie noire du bras qui manque. Oui, elle est un petit peu scotchée. Ouais, je crois qu'il a fait quelques réparations. Alors, je ne sais pas exactement, je crois que c'est après le Cap Horn. Ces trois jours d'escale aux Açores ont sans doute été mis à profit, surtout pour vérifier qu'il n'y ait pas de gros problèmes de structure sur le bateau. Hein, on commence à voir Charles sur sa caméra, là. Plus que de véritablement réparer quoi que ce soit. Ouais. L'idée, c'était vraiment d'arriver à rejoindre la ligne d'arrivée sans le moindre gros souci technique. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cet arrêt aux Açores, mais on le rappelle, hein, qui était quand même indispensable en raison de la météo, il aurait fait la course parfaite, pas d'escale, pas d'arrêt, à une vitesse moyenne relativement élevée aussi. Ouais, c'est vrai que... On aurait tous bien aimé le voir arriver à Brest sans escale technique. Malheureusement, ben, la météo, on a décidé autrement. Mais c'est vraiment un véritable tour de force hein, de toute cette équipe Gitana d'avoir réussi à permettre à ce bateau de faire le tour du monde sans grave problème technique. Il s'est arrêté, mais c'était pour les rayons météo. Alors on voit d'ailleurs une partie de l'équipe sur les Zodiacs à l'arrière. C'est vraiment la victoire d'un skipper, mais aussi d'une équipe, d'une famille et de toutes les personnes qui travaillent depuis une dizaine d'années, je crois maintenant, pour que ce bateau réussisse à faire le tour du monde. Avant le départ, il avait dit « Ah, je crois qu'on va arriver sur la ligne ». Alors on va écouter ce qui se passe, Yann. C'est tout à fait possible. Un, deux, un, deux, est-ce que tu m'entends ? Un, deux, un, deux. Alors, bonjour. Ouais, bonjour. Bah écoute, comme tu le sais, j'arrive. Et puis tu me donneras ton canon quand tu penses que j'ai coupé la ligne, ok ? Ouais, bien sûr. J'ai pas de canon à disposition là, mais je fais attention pour le passage de ligne. Attention, je ferai top et je donnerai heure, minute, seconde quand tu auras passé la ligne. A tout de suite. Ouais, je suis sûr que t'as appris à faire le canon avec toutes ces années de Covid. Tu dois savoir faire le canon. Bon allez, à tout de suite, merci. Ouais, Charles qui vient de demander au président du comité de course de lui annoncer quand il couperait la ligne d'arrivée. Je pense qu'on est. C'est une question de minutes là. On voit que l'entrée du goulet se profile devant l'étrave de Gitana 17. Il doit avoir la pointe Saint-Mathieu par le travers. Donc c'est une ligne qui a un petit peu de biais hein, par rapport à sa trajectoire et à sa route directe. Voilà, elle est entre la pointe Saint-Mathieu et le phare du Toulinguet, hein, précisément. Oui. On voit que le vent amollit un petit peu aussi parce qu'il doit être maintenant à l'abri ou sous le vent de la terre, de la pointe bretonne. Il y a encore quelques minutes, il évoluait sous le vent de Ouessant, mais qui était quand même beaucoup plus loin. Donc il avait un vent un peu plus soutenu. Et puis on voit qu'au fur et à mesure qu'il se rapproche de la côte,
Le vent diminue et la surface de l'eau se fait un petit peu moins sombre. Le bateau vole plus parce qu'il n'y a plus assez de vent. Et ça va permettre à tout le monde de suivre son arrivée à une allure, on va dire, raisonnable. Hein, parce que je pense qu'il était aux environs. Ouais, on a entendu une conversation à la VHF. Je ne sais pas si c'était Charles qui parlait ou si c'était le président du comité. Alors, on devrait atteindre les 19h, je pense, dans quelques secondes. Donc, il passerait la ligne en 50 jours et un petit peu plus de 19h, vraisemblablement. On voit la pointe Saint-Mathieu, juste devant ses étraves. Avec ce phare et cette bouée qu'on appelle les vieux moines, qui fait face à un ancien monastère. Ouais, c'est un lieu magnifique hein, quand on vient se balader ici sur la pointe bretonne. Moi, j'adore venir à la pointe Saint-Mathieu et puis la pointe, le phare du Toulinguet qui est à Camaret aussi, qui fait vraiment face là aux éléments et à l'océan. On imagine qu'il doit y avoir un peu de public aussi pour le voir passer là, du côté effectivement du phare du Toulinguet peut-être. Au départ, il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, les conditions météo, heureusement, s'améliorent. Mais enfin, hier, c'était pas très engageant. Mais oui, c'est sûr qu'il y aura du monde dans le goulet tout à l'heure pour l'accueillir. Là, on est encore quand même assez loin, hein, finalement. Il faut une embarcation quand même relativement importante pour pouvoir venir le voir. Ça y est, Charles commence à venir à l'étrave. Voilà, on le voit. Lever les bras. Ça y est, je ne sais pas s'il a encore coupé la ligne d'arrivée, mais en tout cas, ça sent bon. Ça sent bon. On va regarder tout de suite. Il peut laisser et commencer à savourer. Ça y est. Il peut commencer à se relâcher un petit peu. Là, ça y est, il va remporter ce tour du monde. C'est difficile hein, dans ces instants de se relâcher. Oui, on imagine qu'il y a beaucoup de stress encore, hein, finalement. On a tendance à dire, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie... Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça y est, il lève les bras. Sans doute a-t-il déjà coupé la ligne d'arrivée, j'imagine. Vas-y, avance encore un peu. Donc effectivement, on serait sur 50 jours, 19h et une poignée de secondes. Voilà. Donc moins de 51 jours. Moins de 51 jours, effectivement. Ouais, effectivement. On voit Charles à l'étrave qui savoure ces instants. La famille qui est venue sur l'eau l'accueillir aussi. Alors vraisemblablement, voilà, son équipe devrait monter à bord hein, une fois la ligne passée. Peut-être aussi, effectivement, ses enfants, des proches en tous les cas. Pour l'accompagner jusqu'à l'arrivée à Brest. Effectivement, une fois que la ligne d'arrivée est franchie, on va avoir le premier contact humain, les premières embrassades, avec sans doute plutôt des membres de l'équipe technique. A priori, le chrono ne s'est pas arrêté, hein, donc je pense qu'il n'a pas encore tout à fait passé la ligne. On va attendre la validation effectivement, voilà. du président du comité de course. On est à 19h02 pour l'instant. Ah, ça y est, on voit le public, les zodiacs et les personnes qui sont venues à sa rencontre. Il commence à y avoir de plus en plus de monde. Il a fallu quitter la rade de Brest, le goulet. Là, il y a un petit peu moins de mer parce que ça y est, il est à l'abri de la côte. Il a dû sans doute été à l'intérieur du bateau vérifier à quelle distance il se situait encore de la ligne d'arrivée. Peut-être même vérifier, il y a quelques bouées en dur, je pense à Charles Martel, à Swansea, à des bouées qui sont sur la route. D'accord. Des petites bouées auxquelles qu'il faut éviter. Oui. Là on le voit avec son téléphone. Ouais, je pense qu'il doit peut-être vérifier.
ou avec son équipe technique, ou avec le président du comité, s'il a coupé la ligne à quelle heure, à échanger peut-être un petit remerciement aussi avec son équipe de routeurs. C'est la fin de la course pour eux aussi. Absolument, un gros travail. On en reparlera tout à l'heure des routeurs. Ils étaient trois à se relayer 24 heures sur 24 hein, pour l'accompagner au mieux, lui fournir toutes les indications pour la meilleure trajectoire, assurer sa sécurité aussi, c'est important. Ouais, donc pour eux aussi, c'est la fin, la fin d'une aventure. L'un d'entre eux, d'ailleurs, devrait certainement monter à bord du Maxime Monde Rothschild, Erwan Israël, qui avait été aussi son équipier lors de la Transat Jacques Vabre, la dernière Transat Jacques Vabre en novembre dernier. Et qui, là, on a vu l'hélicoptère qui était vraiment très très bas, hein, qui a même éclaboussé la caméra de notre réalisateur. Ouais, vraiment des conditions idylliques. Ça y est, mer plate, le soleil a fait une petite apparition au lever du jour. Ah, Charles qui salue son équipe. Qui lève les bras. Bras au ciel. Là, putain, ils sont trop bas, là, les gars, là. Ah, il en profite, hein. Franchement, c'est les moments, ça, faut... On imagine hein, l'émotion, là, effectivement. La joie, l'émotion, un mélange un petit peu de tout ça. Là, il remercie Gitana, Ariane. La baronne Ariane de Rothschild. Ariane de Rothschild, qui a repris le flambeau. Suite au décès de Benjamin il y a 2-3 ans. Voilà, propriétaire. Et qui permet à cette épopée gitana de perdurer et de la plus belle des manières avec, en remportant cet Arkea Ultimate Challenge. 24 ans après avoir créé hein, l'écurie de course au large Gitana, en fait, puisque je crois que c'était en 2000. Ouais, c'est pas le premier succès hein, de cette écurie. Il y a eu donc la Route du Rhum il y a 2 ans, la Route du Rhum en 2006, je crois, avec Lionel Lemonchois également. Bah, au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi l'envie de faire parler l'histoire et d'imaginer ce bateau volant. Je crois que c'est ce qui a vraiment plu à. Précurseur, hein, on le disait tout à l'heure, pour imaginer. Que des trimarans puissent voler un jour. Ils ont été les premiers à y croire, on le disait. Charles Caudrelier, avant le départ, il disait finalement, celui qui va gagner, c'est peut-être pas le plus rapide, ça sera le plus malin. J'ai envie de dire, il a été un peu les deux à la fois, finalement. Ouais, tout à fait. Sur la descente de l'Atlantique, il a réussi à s'accrocher avec Tom Laperche et SVR Lazertig. Ils ont vraiment la régaté, hein, au sens propre du terme, quasiment jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Et puis malheureusement, le sort, on a décidé autrement pour Tom Laperche. Sa course s'est arrêtée suite à une avarie de dérive juste à l'entrée de l'océan Indien. Et donc là, la course a basculé un petit peu dans une autre dimension, une dimension un peu plus aventure, course au large. Charles a bénéficié de bonnes conditions météo jusqu'au Kerguelen, puisqu'il a affiché des journées de plus de 800-850 000. Une petite phase de transition un petit peu plus difficile pour... Ah, attention pour l'arrivée, je crois que j'ai entendu à la VHF. Oui, c'est assez loin dans notre oreille. Attention. Charles Caudrelier, attention. Top. Top. 37-42. Je répète, 8h37-42 en local. 8h37-42. Ok, c'est bon alors, tu confirmes ? Affirmatif, confirmé Charles. Maxi, Edmond Rothschild, vainqueur de l'Arkea, challenge reste 2024. Avec un passage de ligne à 8h37-42. Avant le jury, attention, hein. Faut que tu sois précis. Ouais. Avant, ah bon, Charles qui plaisante avec le président du comité de course. On a vu son large sourire. Hein, ça y est, quand le président du comité lui a annoncé qu'il avait coupé les lignes d'arrivée, ça y est, c'est fini. Voilà. C'est lui, le grand vainqueur de cette édition. Si mon chrono dit vrai, il serait donc arrivé en 50 jours, 19h07. Précisément, on affinera pour les secondes tout à l'heure. C'est quand même pas mal, effectivement. Félicitations à lui. Ouais, il avait le grand sourire. C'est marrant, Charles, il plaisantait hein, avec le président du comité.
Il l'a même chambré un petit peu. On voit qu'il est, il est vraiment heureux. Ça y est, c'est ce dont il avait rêvé depuis... C'est vrai que vous le connaissez bien, Yann. Vous avez navigué avec lui. Vous avez été équipier remplaçant, notamment en 2020-2021, lors des tentatives de trophée, du record du trophée Jules Verne. C'est un garçon assez discret, finalement, qui ne fait pas beaucoup parler de lui, qui n'est pas forcément très connu du grand public. Là, évidemment, il va être sous le feu des projecteurs. Il gagne peut-être la plus belle course de sa vie, de sa carrière, qui était déjà bien remplie. Oui, ouais, bah Charles, c'est quelqu'un qui a estimé que la valeur sportive était la valeur qui devait être au-dessus de tout. Et donc, il a toujours choisi de se distinguer et de faire parler ses résultats sportifs avant tout. Il a couru après ce Tour du Monde pendant quelques années. Il rêvait de Vendée Globe. Oui, il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait et finalement, ce sera en tant que skipper d'un team qui réalisera ce Tour du Monde et qui plus est victorieux. Donc, il ne pouvait pas rêver mieux. C'est vrai qu'inscrire son nom comme ça pour une première course, puisque c'est la première édition de ce Tour du Monde en solitaire, en ultime, c'est... Comme vous le dites, on ne pouvait pas rêver mieux. Certainement, c'est vrai que c'était un rêve qui s'accomplit là pour lui. Oui, bah c'est des pionniers. Hein. C'est six marins qui ont pris le départ il y a maintenant 50 jours. Ouais. Ce sont des pionniers. On peut les comparer au Titouan Lamazou, Loïc Perron, du premier Vendée Globe. Philippe Poupon, Alain Gauthier du premier Vendée Globe. En 1989, ils étaient 13 à l'époque à prendre le départ. Effectivement, ils étaient 6 cette année. Voilà, des pionniers qui vont marquer l'histoire, certainement. Exactement. On verra si cette course sera suivie d'autres courses. Ouais, je suis sûr. On en est à peu près sûr. Ouais. C'est vrai que ça marque quand même un cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ces trimarans ultimes sont capables de faire un tour du monde et sont capables de disputer des courses. Donc, c'est une nouvelle ère un peu qui va s'ouvrir. Oui, tout à fait. Ouais. Ces bateaux qui prétendaient de voler au-dessus des flots ont essuyé des déboires au début, c'était pas facile. Comme tout pionnier, la route du Rhum à 2018, c'était. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, il y a eu les premiers bateaux qui ont eu du mal à finir les courses. Voilà, c'est ça, effectivement, avec les malheurs d'Armel Lecléache, on s'en souvient, qui avait chaviré. Voilà, Gitana, qui avait un problème de flotteur. Et puis bah voilà, on est 6 ans plus tard. Et ça y est. Et du chemin. Du chemin, des milles ont été parcourus par ces formidables machines. De l'eau est passée sous le pont de recouvrance. Effectivement. Yann, on va se quitter pour quelques instants. On va se retrouver dans une demi-heure. Ah voilà, son équipe, quand même, cette image. Ouais, c'est son équipe qui monte à bord. Voilà. Et ses enfants, me semble-t-il. Il me semble que c'est sa fille là qu'il serre dans ses bras, Nina. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est quelqu'un de son équipe? Je ne vois pas. On sait que ses deux enfants potentiellement pouvaient monter à bord, ainsi que son équipe. Donc c'est son team manager, son bot captain, Cyril Dardachty, Pierre Tissier, David Boileau, toute l'équipe rapprochée, on va dire. Hein. Erwan Israël, on le disait tout à l'heure, certainement son routeur. L'un de ses routeurs. Qui fait une combo CETA. Qui vont l'aider à convoyer ce bateau jusqu'à l'arrivée. Et lui, il va pouvoir profiter de ces moments. Yann Rioux aussi, qui est le médiaman attitré de l'équipe. Donc ça y est, les premières embrassades avec toute l'équipe. Ça, c'est des moments importants. Hein. C'est des moments qui restent pour la vie. C'est vrai que gagner une course, c'est bien. En solitaire, mais le partager, c'est encore mieux. Voilà des images magnifiques. On va rester sur France3Bretagne.fr pour suivre ces images. Sur la télé, on vous donne rendez-vous dans une demi-heure à peu près, le temps de regarder une émission littorale consacrée au photographe et peintre brestois Evan Le Bourdet, qui a notamment immortalisé l'entrée à Brest du sous-marin Le Suffren. Et on se retrouve donc juste après, dans environ une demi-heure, pour vous faire vivre, bien avec Yann bien sûr, l'arrivée du Maxi Edmond Rothschild à Brest. À tout à l'heure.
Ok, merci, ok. Ok, parfait, merci. Parce que... Bon, ça l'a fait, hein, il me semble. C'est bien ? Ouais, bien. Ça va, toi ? Ah ouais, ça va. Bah, là, c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à commenter en même temps. Pas trop en dire, mais en dire quand même un peu. Me meubler, que c'est la chute. Mais je peux pas en sortir. S'il me disait quelque chose. Alors, allez, maintenant, on va se reconcentrer sur la deuxième partie. On va regarder un petit peu ce qui se passe en même temps. Là, on reprend dans une demi-heure. Quelle heure il a dit qu'il avait passé la ligne à 8h37, il me semble. Je dirais 37. Ça va ? J'ai froid. Et t'as froid ? Ouais, moi aussi. Ouais. Non, je sais pas, à un moment donné, on a eu le retour. Il discutait avec Gwen, c'est ça ? Ouais, ouais, non, on a eu le télématin, là. On a eu télématin. Au tout début, ouais. Ouais, mais je leur ai dit, tu vois. C'est le pour temps ça que je l'ai dit, parce qu'on l'avait bah, dit. Oui. Moi, c'est pareil, le temps que je lui ai dit. En fait, l'info était passée deux fois, mais le temps que ça se passe. 8h37.42, je suis arrivée.
Retour à Brest pour suivre en direct sur France 3 Bretagne et sur France3Bretagne.fr l'arrivée de l'Arkéa Ultime Challenge Brest, première course autour du monde et en solitaire pour les trimarans géants. Et vous le découvrez à l'antenne. Eh bien, le vainqueur de cette première édition n'est autre que Charles Caudrelier, qui a passé la ligne d'arrivée il y a quelques minutes à 8h37 précisément et qui remporte donc cette première édition après 50 jours, 19h, 7 minutes et 42 secondes de course seul à bord de son bateau sur les mers du monde, un tour du monde donc pour Charles Caudrelier, son premier tour du monde en solitaire. Un très bel exploit avec nous, Yann Eliès. Bonjour, rebonjour Yann. Bonjour. Alors vous aussi, hein, vous comptez 3 tours du monde à votre palmarès, 2 trophées Jules Verne, 1 Vendée Globe, donc vous savez ce que c'est que les tours du monde. Mais là, c'est vraiment un exploit qu'il vient d'accomplir seul sur ce grand trimaran de 32 mètres de long, on le précise. Ouais, un fabuleux exploit. On le disait tout à l'heure là, lors de l'arrivée, mais effectivement, c'est des pionniers, hein, ces marins qui ont réalisé ce tour du monde en ultime, en petit coq, sur des bateaux volants. Et donc, voilà, il nous a offert un magnifique spectacle. Le soleil est venu saluer l'arrivée de Charles. Ce soleil qu'on n'avait pas vu depuis un moment a trouvé le moyen de venir saluer son arrivée. Des conditions de mer idéales, hein, c'est vrai, un peu inespérées. Alors on l'a vu donc juste après le passage de la ligne, eh bien son équipe est montée à bord, ses enfants, il est escorté par une nuée de zodiacs, de bateaux à passagers aussi qui vont l'accompagner jusqu'à Brest, jusqu'au quai Malbert où il est attendu aux alentours de 10h-10h30, hein, on va dire. On va nous tout de suite aller à bord du Maxi Edmond Rothschild, retrouver Gaël Robic. Alors, pas tout de suite, nous dit-on. Avant de retrouver Gaëlle Roby, qui va pouvoir tout à l'heure monter à bord du Maxi Edmond Rothschild, on va retrouver Gwenaëlle Bron, qui elle se trouve sur le quai Malbert, où j'imagine, Gwen, la foule commence à arriver pour attendre Charles Caudrelier. Gwenaëlle ? Je vous confirme, Isabelle, il y a un petit peu plus de monde que tout à l'heure, avec du public qui s'est levé très tôt. Je suis avec un couple d'Auvergnat. Vous avez fait beaucoup de route pour ce grand moment? On a fait 900 km, oui. Exprès? Alors oui, exprès. On est venu en vacances à Brest, c'est une ville qu'on connaît déjà, et on est venu exprès cette semaine-là pour pouvoir assister à l'arrivée des bateaux. Une course que vous avez suivie de près, avec passion? Bien sûr, depuis le début, depuis le 7 janvier, on suit ça tous les jours. On regarde où en sont les bateaux, ce qui se passe, les petites vidéos à bord, pour rêver un petit peu. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette performance, dans cet exploit ? Je crois que la navigation en solitaire, c'est la dernière aventure. C'est le dernier endroit où on peut vivre des aventures, soit en direct, soit par procuration, comme nous. L'aventure encore, malgré peut-être des bateaux de plus en plus puissants, technologiques, ça reste l'aventure au sens premier ? Je pense, alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais je pense que quand on est au milieu des mers du Sud, tout seul, électronique ou pas, ça reste une aventure. Merci, et puis on vous souhaite de bien vivre ce moment de l'arrivée. Je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin parce que j'ai repéré des visiteurs qui sont venus très tôt avec des drôles de petites choses dans les poches. Si je peux me permettre, alors on a une passionnée là qui a quelque chose, vous me racontez? On va fêter ça. Alors je ne sais pas si vous voyez, donc il y a une petite bouteille de champagne dans la poche, c'est un grand moment que vous attendiez. Oui, c'est une belle victoire. Vous arrivez d'où ? De Rennes. Exprès pour l'arrivée ? Oui. De Charles Caudrelier ou vous seriez venu pour n'importe quel vainqueur ? Pour Gitana. Oui, parce que ? Parce que je le suis depuis 2018 maintenant. Et pourquoi lui ? Qu'est-ce qui vous fascine dans le parcours de ce marin ? C'est le bateau surtout, que je trouve magnifique. Et voilà, c'est un bateau élégant et performant. Bon, et le champagne, c'est pour quand ? C'est quand il arrive ? Ben oui. À votre santé, à tout à l'heure. Et voilà Charles Caudrelier qui pourra lui aussi déboucher la bouteille de champagne bientôt, on l'espère, puisqu'il est attendu ici quai Malbert aux alentours de 10h30. On a revu ces images, Yann, de sa joie en fait, de son V de la victoire sur le bateau. On l'imagine évidemment heureux, soulagé, ému aussi certainement. C'est une victoire la plus belle de sa carrière vraisemblablement. Ouais, c'est une victoire
il court après depuis effectivement un moment. Alors sa carrière a été jalonnée effectivement de grands résultats sportifs. Sa première solitaire du Figaro en 2004, je pense à sa première victoire sur la Trans Jacques Vabre. Ensuite, des tours du monde en équipage, mais il n'avait jamais fait le tour du monde en solitaire. En solitaire. Et voilà, ça arrive à 50 ans finalement assez tard, mais ça arrive au meilleur des moments. Et vous le disiez, oui, 50 ans, hein, il a eu 50 ans hier, 50 jours, 50 ans, vraiment les bonnes fées étaient au-dessus de lui. Et il reste encore quatre concurrents en mer, Thomas Coville qui devrait arriver jeudi, Armel Lecléache, Anthony Marchand et Éric Perron. Et tous ont tenu à envoyer un message de félicitations à Charles Caudrelier, on va les écouter. Bon anniversaire et surtout bravo pour ta victoire. Voilà, tu es en approche là de Brest. Un grand chapeau, t'es un grand monsieur. Bravo pour ton exploit et bravo aussi à toute la team Gitana. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Bravo à vous et puis hâte de vous retrouver à Brest. S'il y a un truc qui m'a fait rêver dans ce tour du monde, c'est ta trace. Well done. Maturité technique, gestion, tu as su faire de main de maître parce que tu es un grand marin. Bravo, j'ai pas d'autres mots, hein. Bravo. Donc un grand bravo à toi et à toute ton équipe, ton bateau. Très belle course, on aurait bien aimé se batailler avec toi, mais on n'a pas vécu les mêmes... problème et puis voilà, c'était un peu différent pour moi avec mon bateau et la météo, mais c'est comme ça. Écoute, profite bien ton arrivée. Bravo Charles et à toute l'équipe de Gitana, vous avez fait un super boulot depuis de nombreuses années, c'est bien mérité. Voilà, j'espère que vous allez bien profiter de ces moments et puis j'essaye de faire au plus vite pour vous rejoindre, à très bientôt. Voilà le bel hommage de ces quatre marins. On retient notamment Thomas Coville, hein, assez marqué quand même. C'est vrai que c'est le doyen, 55 ans, son 9e tour du monde. Et il rend vraiment un hommage, une félicitation à Charles Caudrelier. C'est dire l'exploit qu'il vient d'accomplir. Oui, tout à fait. Ouais. Thomas, qui a été détenteur du record du tour du monde à la voile en 49 jours en 2016. C'est ça. C'est ça. Quel plus bel hommage, effectivement, que de lui dire qu'il a rêvé devant sa trace. Ouais. Et effectivement, il n'y a que ces quatre marins encore en mer, qui connaissent la vraie valeur de ce que vient d'accomplir Charles, parce qu'eux ont accompli ou sont en train d'accomplir ce tour du monde. Alors Yann, je vous interromps parce que nous sommes maintenant en direct avec Gaël Robic, qui lui a eu la chance d'embarquer à bord du Maxi Edmond Rothschild et qui va pouvoir recueillir les premiers mots de Charles Caudrelier. Gaël, c'est à vous. Et bonjour Adélaïde, effectivement c'est une chance et même un privilège d'être à bord de ce maxi et trimaran Gitana 17 avec le grand vainqueur de ce Tour du Monde, Charles Caudrelier. Charles, enfin elle est coupée cette ligne d'arrivée après 50 jours. Ouais, elle s'est fait attendre 50 jours, c'est beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé. On était parti avec 45 jours de nourriture pour vous dire. Et j'aurais pu arriver plus tôt en forçant le destin, mais j'avais pas envie de prendre de risques. Donc j'ai été conservateur, vous avez vu les tempêtes qui étaient en France, j'en ai eu d'autres. Au Cap Horn, ça a été une météo incroyable, pas que pour moi d'ailleurs, aussi pour mes concurrents. Je crois qu'on a eu une météo absolument atroce. Mais l'important, c'est une course, c'est pas un record. Et l'important, c'est d'arriver premier. Et voilà, le job est fait. 50 ans, 50 jours, c'était pas calculé, mais c'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Ouais, je suis pas très anniversaire, je fête jamais mes anniversaires. Et on m'avait dit, alors on fait quoi? On fait un anniversaire? Je dis non, pour l'arrivée, après l'arrivée, on pensait que j'allais arriver avant. Et puis finalement, tout va ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai rien à organiser, tout est organisé. Et puis c'est un beau cadeau, ouais. 50 ans, 50 jours, voilà, ça restera gravé dans mes mémoires. À 40 ans, on m'a donné mon premier bateau, mon premier commandement de gros bateau, de gros projet. Je m'en rappelle très bien, c'était en Chine. Et là, 10 ans plus tard, donc pour moi, ces 10 dernières années, ça a été complètement dingue. Ça a été des aventures incroyables avec et de rejoindre cette équipe en 2019 et de faire cette course qui était mon rêve finalement ultime, de faire un tour du monde en solitaire. Ça m'a jamais souri, c'était jamais au rendez-vous. Et puis là, cette opportunité, je l'ai saisie. Charles, vous disiez avant le départ que vous partiez à la découverte de vous-même. Vous avez fait une belle rencontre.
Non, j'ai trouvé Charles Condrelier, celui que je connais. Je me connais assez bien, finalement, avec toutes ces histoires, tout ce que j'ai vécu. Donc, non, je me suis quand même étonné par l'énergie que j'ai pu mettre, parce que j'avais peur d'être fatigué à des moments, d'avoir des coups de mou. Et c'est vrai que je me suis senti très, très solide, jamais fatigué. J'ai eu quand même beaucoup de galères, j'en ai pas parlé. J'ai rien montré, mais on voit le bateau à l'arrivée, on voit la grand voile. C'est des heures de bricolage, c'est des moments de doute. Mais j'étais toujours soutenu par mon équipe. C'est vrai que cette course, c'est en solitaire, mais j'ai vraiment gagné. Voilà, ça fait depuis 2019 que je la prépare, 2019 que je vis avec cette équipe, que je suis là tous les jours, que ce bateau, je le respire, que je le connais par cœur, certainement mieux que tous les autres connaissent leur bateau. C'est moi qui ai fait le plus de milles sur ce type de bateau. Donc c'est toute une histoire d'équipe, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui me plaît. Et finalement, j'étais au rendez-vous. Et voilà, j'ai failli pas prendre le départ, je vous le cache pas. Un mois avant, même deux semaines avant le départ, je pouvais pas partir. J'avais des soucis personnels qui m'empêchaient, qui se sont réglés très vite. Et puis on a trouvé une solution. Je me suis rendu compte que ce Tour du Monde, il comptait pour moi. Et quand je suis parti, j'avais été tellement motivé et j'avais une certaine confiance que j'avais coché. On avait coché toutes les cases tous ensemble, que le bateau, il était hyper fiable, hyper performant. Et que j'étais prêt, quoi. Et ça s'est bien déroulé. Mais il faut de la réussite et elle était là. Mais elle est méritée, je pense. Dernière question. Quand on voit effectivement l'état du bateau général, on voit que vous avez beaucoup bricolé. Vous avez encore votre réputation de bricoleur, de machine à bord est encore plus justifiée, quoi. Ouais, je suis pas un bricoleur à la base, mais j'adore regarder les gens bricoler. Vous avez bien progressé, ouais. Et en fait, j'avais jamais fait, par exemple, une stratification de ma vie tout seul. Mais dans mon équipe, il y a des experts partout. Et puis depuis 10 ans, je suis dans les meilleures équipes. Et je les vois, les gens travailler, donc je sais ce qu'ils font. Et je regarde et ça m'intéresse. Et du coup, je me suis senti assez à l'aise à chaque fois qu'on m'a proposé des choses. Et puis je comprends le bateau parfaitement, donc je le connais parfaitement. Donc tout ce que j'ai fait avait du sens et l'équipe, elle était toujours au rendez-vous pour me proposer des solutions. Et ça s'est bien passé, quoi. Merci Charles. Voilà, Charles Condrelier qui a reçu il y a quelques instants par téléphone les félicitations de Madame la Ministre des Sports. Et voilà, Madame la Ministre des Sports qui devrait être là tout à l'heure, Amélie Oudéa-Castéra. On le voit heureux, hein, bien sûr, ah ouais. Yann Elias, il est heureux. Il est soulagé aussi, parce qu'on devine quand même derrière ses paroles que ça n'a pas dû être drôle tous les jours, difficile même parfois. Il faisait référence notamment à cette escale à Horta pendant 3 jours là, pour éviter cette tempête. Et puis certainement quelques petites avaries comme ça. On sait qu'il a endommagé un bras du bateau. Enfin, on ne sait pas tout. Il va nous dire certainement des choses. Mais on imagine que ça n'a pas été simple quand même tout. Temps, hein. Ouais, moi je retiendrai surtout à ce large sourire, hein, qui le quitte plus, cette envie de parler, de partager avec nous, hein, c'est ce qui est un peu commun à ces marins qui ont connu la solitude pendant 50 jours. Malgré cette escale de 3 jours aux Açores, on sent qu'il a envie de partager ça avec nous, il a envie de nous raconter. Ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que sur l'hôtel de la compétition, il n'a pas pu tout communiquer, il n'a pas pu nous raconter toutes ses galères, mais ça a sans doute été épique. Et voilà, donc je le trouve en forme, exalté par cette arrivée, et ça fait plaisir de le voir comme ça. C'est vrai. On va tout de suite retrouver Gonaël Bron, qui est toujours sur le quai Malbert. Et je crois, Gonaël, que vous êtes en compagnie de Frédéric Le Petrec, le monsieur sécurité de l'organisation. Tout à fait, je suis également avec un grand marin, puisque vous avez 3 tours du monde en multicoque à votre actif, 2 trophées Jules Verne, et donc comme Isabelle vient de le dire, vous êtes membre de la direction de course. Alors tout d'abord, une première réaction à la victoire de Charles Condrelier. C'est une magnifique victoire, celle d'un marin bien sûr, hein, une belle maturité, puisque c'est un parcours long, hein, d'arriver à maîtriser tous les paramètres d'une navigation comme celle-ci sur un tel bateau. Puis la maturité d'une équipe qui travaille sur un projet de bateau volant océanique depuis une dizaine d'années maintenant, donc un grand bravo à tout le monde, et effectivement c'est quelque chose d'assez unique, hein. C'est un moment, le temps s'écoule, hein, l'instant qu'il est en train de vivre, mais je sais que ça c'est des moments qui marquent à tout jamais la mémoire, donc c'est quelque chose qu'il va garder très très longtemps en lui et toute sa vie. Et là, il faut qu'il en jouisse maintenant, c'est un moment de jouissance, quoi. Et on a l'impression qu'il en profite, je me trompe sans doute, mais non. Il n'a pas l'air fatigué presque. Dans ce cas-là, même un marathonien qui finit, à ce moment-là, il est en forme, même s'il est épuisé. Hein, et c'est le cas, effectivement. La victoire dope complètement. Hein, et puis il a dû effectivement gérer les dépressions qui ont circulé là récemment en Bretagne, enfin le long en Atlantique Nord, s'arrêter un poil aux Açores et revenir ici à un train maîtrisé, une vitesse maîtrisée, pour justement arriver derrière le coup de vent qui est passé sur Brest et la pointe Bretagne hier. Donc il n'est pas épuisé, et puis la victoire euphorise de toute façon.
Alors, il n'y a pas eu beaucoup de suspense sportif sur cette course. Est-ce qu'elle a tenu pour autant toutes ses promesses, même si elle est loin d'être finie, naturellement? Ah ben, loin de finie. Il y en a encore quatre en mer, hein, faut pas les oublier. Hein. Bien sûr, Sodebo va arriver avec Thomas Coville dans deux jours, à peu près. Et évidemment, elle a tenu toutes ses promesses parce que le pari était risqué. Ce sont des bateaux qui, jusque-là, n'avaient jamais fait autant de milles en mer. C'est le tour du monde en solitaire est quelque chose d'éminemment complexe qui rend l'exercice plus compliqué. Comme a dit Charles, il y a des sujets de bricolage nécessaires, hein, de réparation en mer. On est seul à les faire dans ces cas-là. Donc les décalages de fatigue sont énormes. Les compétences, même s'il est en contact avec son équipe permanente, c'est quand même pas tout à fait celle que des membres de l'équipe qui sont à terre. Et elle a tenu absolument toutes ses promesses. C'était un risque de partir. C'est un vrai pari que fait OC Sport et Arkéa d'envoyer une course tour du monde solitaire sur ces bateaux-là. Il y a un vainqueur, un magnifique vainqueur en 50 jours. Le temps est tout à fait honorable. La météo a été superbe, les images exceptionnelles. Donc ça tient tout, oui, ça tue toutes ses promesses. Même au-delà de ce que je craignais, ce qu'on craignait tous, hein, c'est qu'il puisse y avoir, on a vu que les bateaux se sont arrêtés pour des besoins de réparation nécessaires. C'est... Pas de regret justement qu'aucun n'ait pu, et Charles notamment, le faire sans toucher terre, sans s'arrêter. Bah, Charles, au fond de lui-même, il a un petit regret effectivement d'avoir posé terre, je suppose, aux Açores. Mais non, enfin voilà, il n'y a pas de regret, il n'y a qu'à jouer de. Voilà, c'est une belle victoire, une magnifique victoire. C'est la victoire d'une course, d'un pari, des organisateurs, etc., de tous les gens qui ont participé à ce projet de faire courir ces bateaux-là autour du monde en solitaire. Donc c'est une victoire collective, parce que même si l'équipe Gitana et Charles sont les vainqueurs, tous les autres ont fourni les mêmes efforts pour être au même instant prêts à partir depuis Brest il y a maintenant presque, voilà, il y a 50 jours exactement. Donc c'est même une victoire pour tous ces gens, toutes ces équipes qui ont parié sur le fait que ces bateaux-là pourraient faire un tour du monde. Un dernier mot pour vous, l'équipe de direction à terre, c'est une épreuve aussi, pas physique, mais mentale, heure par heure, j'imagine que vous suivez, vous dormez peu. C'est comment de vivre ces 50 jours donc, qui ne sont pas terminés? C'est la première fois que je me retrouve de l'autre côté du rideau, hein, mais effectivement, on était quatre, hein, on est quatre à la direction de course, donc on partage le temps de veille en période de 4 heures successives. Bon, c'est un rythme de marin, mais terrien. Hein. Donc on n'a pas l'épuisement, on n'a pas la fatigue, on n'a pas le stress. On a juste voilà, quelque chose à surveiller, à veiller et préparer, enfin anticiper le fait, surveiller leur comportement, anticiper sur ce qu'ils peuvent avoir comme soucis en observant les trajectoires, les méthodes dans lesquelles ils se trouvent, etc. Être prêt à réagir et à organiser d'éventuels secours. Merci Fred Lepetrec. De rien. Merci Gwenaëlle et on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette matinée sur le quai Malbert avec vos invités. On va retourner en mer, repartir à bord du Maxi Edmond de Rothschild où se trouve toujours Gaël Robic. Gaël, je crois que cette fois-ci vous êtes en compagnie d'Erwan Israël qui a été l'un des routeurs de Charles Caudrelier durant ce tour du monde. Oui, tout à fait, en compagnie d'Erwan Israël, routeur de Charles Caudrelier et coéquipier de Charles Caudrelier sur la dernière Transat Jacques Vabre. Erwan, quand on voit la trace depuis Brest, on imagine que vous avez eu beaucoup de travail en termes de routage. Ouais, Brest n'a jamais été aussi loin du Japon cette année. Les dernières semaines étaient longues, on va dire, mais la première partie était géniale. On a eu beaucoup de réussites. La chance, on l'a provoquée certainement. Mais en tout cas, on avait une trace assez fluide, assez facile. Aucune situation complexe pour nous à gérer, contrairement à nos adversaires derrière. Et à partir de la moitié du Pacifique, ça s'est compliqué. On a dû ralentir à plusieurs reprises. Pour des grosses dépressions, du petit temps le long du Brésil, des situations vraiment pas simples à gérer pour Charles. Vous qui connaissez bien Charles Caudrelier, dans quel état vous le jugez, dans quel état de forme vous le trouvez? Bon, en fait, il est comme je m'y attendais, c'est-à-dire que il est super content d'arriver, mais il était en mode machine, quoi. C'était un guerrier, il ne voulait pas lâcher un mille au début quand il y avait de la grosse bagarre, et après il a très bien géré la course. Je sais qu'il a très très hâte d'arriver, mais là... J'ai même pas l'impression de le voir si fatigué que ça. Je pense que s'il avait fallu faire 10 jours de plus, il aurait fait. Alors, il en avait un petit peu marre à la fin parce qu'on n'en faisait que attendre à chaque fois à cause de la météo. Mais non, physiquement, c'est une machine. Merci, Erwan. Merci Gaël. L'occasion, Yann, de rendre hommage un peu à ses routeurs, hein. Erwan Israël, Julien Villon, Benjamin Schwartz qui se sont relayés 24 heures sur 24 tout au long de cette course pour aider finalement depuis la terre, depuis l'Armor Plage, Charles Caudrelier. C'est vrai que le routage, ça a été très important sur cette course. Elle aurait été différente sans ses routeurs. Oui, tout à fait. Le routage, pour bien comprendre et expliquer au grand public, donc ce sont... trois personnes qui se relayent à terre, qui collectent des informations météo deux à trois fois par jour, qui font une analyse approfondie de ces fichiers, de ces images satellites, et qui proposent à Charles
un programme sur les prochaines heures, les prochains jours à venir. Et après, ils sont en permanence en discussion avec lui pour vérifier que ce qui était prévu se réalise bien sur l'eau. Et en permanence, il y a des discussions sur les choix de voile, les choix de trajectoire, sur les conditions de vent et de mer rencontrées. Et ils font les choix tous ensemble. Donc il y a un côté performance, mais il y a aussi un côté sécurité. Ça permet à Charles d'être sûr que les conditions dans lesquelles il va aller et qu'il va affronter soient pas au-dessus de ses capacités, de lui et de son bateau. Voilà, il peut se reposer en fait, hein, sur son équipe. Ce n'est pas le cas sur le Vendée Globe. Hein. Il n'y a pas de routeur sur le Vendée Globe, qu'il avait disputé notamment en 2017-2018. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une deuxième édition de l'Arkéa sans routage? Ça avait été le cas justement pour le Vendée Globe. Première édition 89, routage, et ensuite plus de routage. Est-ce qu'on peut imaginer le même scénario? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il faudra attendre que ces cinq marins soient revenus et leur poser la question à eux. Est-ce qu'ils s'imaginent faire le tour du monde en autonomie complète, sans routeur? Aujourd'hui, c'est une question de sécurité. On estime que c'est suffisamment compliqué et difficile de mener ces bateaux en solitaire et qu'on n'a pas assez de temps à passer devant la table à cartes et devant l'ordinateur pour faire l'analyse. Peut-être qu'on peut imaginer, effectivement, alors dans 4 ans, les laisser partir sans routeur. Alors, on voit toujours les images, bien sûr, du Maxi Edmond de Rothschild qui fait route vers Brest, où il est attendu aux alentours de 10h30. On le disait avant le départ, hein, celui qui gagnera, d'ailleurs, ils l'ont rappelé tout à l'heure, celui qui gagnera, c'est celui qui ne cassera rien, vraisemblablement, pas d'appendice, pas de foil, pas de dérive, pas de safran. Celui qui ne s'arrêtera pas en route. Alors, c'est pas ce qui s'est passé, puisque Charles Caudrelier, il a fait 3 jours d'escale aux Açores, mais c'était quasiment le scénario idéal, hein, pour lui. C'est vrai qu'il n'a pas eu d'avarie majeure, ça c'est important. Le souligner. Oui, c'est à noter. Hein. C'est vrai qu'il a sans doute bénéficié de conditions météo favorables, comme le disait Erwan Israël, son routeur. Mais il a surtout réalisé un sans faute technique, on va dire. Alors, il va nous le raconter. Hein. Il a eu des soucis, mais par contre, rien qui le nécessite une escale technique. Mmh. Il aurait très bien pu faire ce tour du monde sans s'arrêter. Et ça a été la clé du succès. Alors, il s'est arrêté, donc on le disait, 3 jours aux Açores, mais en raison de la météo qui était très mauvaise, pour échapper à 2 dépressions. Et puis, samedi matin, eh bien, il est reparti et il était impatient, hein, de repartir d'Orta, Charles Caudrelier, qui a reconnu qu'entre la terre et la mer, eh bien, c'était la mer qu'il préférait. On va l'écouter. Voilà, on aurait bien aimé éviter ça, mais être déjà à la maison. Maintenant, il faut y arriver. Elle n'est pas finie, cette course, loin de là. On va y aller très cool, mais c'est pas l'été devant nous. Allez, c'est parti. Plein nord pour sortir de la zone au ralenti. Et après, on pourra accélérer un peu. Bon, finalement, j'avais peur d'être déconnecté, mais finalement, je me sens plus dans mon élément sur le bateau qu'à terre. Voilà, la mer, c'est son élément plus que la terre. Les conditions de mer n'ont pas été simples, hein, quand même, pour arriver jusqu'à Brest. Jusqu'à hier, c'était un petit peu compliqué. Ça s'est calmé ce matin, on l'a vu, conditions idéales. Oui, la difficulté, c'était de ralentir. Hein. C'est des machines qui demandent qu'à accélérer. Et là, 2 fois dans ce tour du monde, Charles a été obligé de ralentir, voire même de s'arrêter. Ce qui n'est pas facile, en fait, à faire. Et qui est difficile aussi et complexe pour la cellule de routage, c'est de trouver le bon endroit pour s'arrêter et ralentir et rencontrer les conditions de mer et de vent les plus acceptables pour finir ce tour du monde. Juste un petit mot, hein, quand même, à travers les propos de Charles, on mesure la chance qu'il a de naviguer, et il mesure la chance qu'il a de naviguer sur ces incroyables machines. Le sentiment, hein, quand on arrive de ce tour du monde, c'est de se dire, voilà, c'est les derniers instants que je passe sur cette machine. C'est sans doute les moments où je suis en osmose avec la machine. C'est le moment où je la maîtrise le mieux. Mais c'est déjà la fin. À travers ses propos, on sent qu'il va savourer ces ouais. 3 derniers jours. Alors, en tous les cas, si on revient un petit peu au départ, ils étaient 6, hein, on s'en souvient, le 7 janvier dernier, à prendre le départ de Brest. Et finalement, dès les premiers 1000, ben, on a eu droit à des... Ils ont régaté, on peut le dire comme ouais. ça. Puis très vite, Charles et Tom Laperche sur SVR Les Arctiques se sont retrouvés aux avant-postes, au coude à coude même, en tête de course. On va écouter un échange entre les deux skippers. Ça
Et là, on est bord à bord avec Gitana encore une fois, donc il est quasiment à vue. Et voilà, c'est la perche. Ce matin, petit croisement avec SVR. Ça ne rend jamais en caméra. Mais... Voilà, on aurait pu avoir un beau duel hein, jusqu'au bout, mais là, c'est vrai que Tom Laperche, malheureusement, a dû abandonner au cap après avoir heurté un ovni, arraché sa dérive. On va l'écouter, on va écouter son amertume, sa colère aussi, juste après avoir constaté son avarie, puis on en parle après avec vous, Yann. Ensuite, un fracas énorme. Du coup, il y a énormément d'eau qui rentre dans la centrale en une fraction de seconde. T'as toutes les alarmes qui sonnent et c'est difficile de savoir... jusqu'où il y a de l'eau et qu'est-ce qui est atteint ou pas. Et là, à ce moment-là, une fois que j'avais un peu le diagnostic et que je voyais que ça allait pas forcément aller plus loin et que j'étais abattu, j'ai explosé. J'ai hurlé comme rarement j'ai hurlé dans ma vie, je pense. Tellement dégoûté de... que ça arrive comme ça, en une fraction de seconde, il y a tout qui s'écroule. Voilà, terrible, hein. On entend la détresse, toute la détresse de ce jeune marin de 26 ans embarqué dans cette aventure extraordinaire et qui n'a jamais pu repartir malgré tous les efforts de son équipe technique. Ouais, forcément, énormément d'émotions. Je pense que c'est de l'émotion pour lui parce que, effectivement, c'est une de ses premières déconvenues. Hein. Tom qui a une ascension et pour l'instant, en début de carrière fulgurant, là, voit et touche du doigt pour la première fois une difficulté. Mais aussi, je crois qu'il s'était senti une mission hein, de rendre ce que son équipe lui avait donné, c'est-à-dire une préparation difficile. Après la 73 Jack Vabre, il y avait une partie structurelle du bateau qui était à réparer. Tout le monde a bossé comme des malades pendant quasiment 3-8 chez Merconcept pour lui donner la possibilité d'être au départ. Et voilà, pris dans cet élan, il s'est senti, je crois, vraiment une mission de rendre à son équipe. Et voilà, je crois que c'est pour ça qu'il est aussi déçu. Oui, on le reverra, hein, certes, ça, c'est certain, Tom Laperche, aucun doute. Marin très prometteur. La course, finalement, j'ai envie de dire, elle s'est presque jouée le 17 janvier, jour de l'avarie de Tom Laperche, parce qu'ensuite, eh bien, Charles Caudrelier, il a fait course en tête tout le temps, il n'a jamais pu être rattrapé, et il a mis même une certaine distance entre lui et ses concurrents, en fait. Hein. Oui, à partir de l'entrée dans l'océan Indien, la course a basculé un petit peu dans une aventure. Et là, la principale difficulté, c'était d'arriver à faire le tour du monde à ces machines. On s'était cru, pendant ces 15 premiers jours, les voir évoluer au coude à coude et assister à une régate planétaire. Mais non, ce tour du monde restait bien et bel et bien une aventure. Et donc, le Sud, effectivement, a cette fois-ci marqué des écarts importants. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de réaliser un authentique exploit. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, seuls 7 marins seulement, 6 hommes, une femme, Hélène MacArthur, avaient réussi à boucler un tour du monde en solitaire sur un multicoque. Ils sont donc 8 désormais avec Charles Caudrelier. Il pourrait être bien, on l'espère, en tout cas 11 à l'issue de cette course, puisque derrière Charles Caudrelier, eh bien, il y a toujours Armel Lecléache, Anthony Marchand et Éric Perron en course. Il devrait pas tarder. On n'oublie pas Thomas Coville, bien sûr, qui lui devrait arriver dès jeudi, deuxième. Mais il faisait déjà partie, en fait, lui, de ses 7 pionniers, puisqu'il a bouclé son tour du monde en solitaire et en ultime en 2016, vous le disiez tout à l'heure. Il avait même battu à l'époque le record en passant sous la barre des 50 jours, 49 jours pour lui, sans faire d'escale. C'est vrai qu'avec cette course, finalement, on va faire un bon historique. Hein, on va passer de 7 à 11. Ouais, Thomas qui en est à, je crois, sa 5e tentative, 6e tentative. Alors, 5e en solitaire, 9e tour du monde pour lui. Un marin incroyable, carrière exceptionnelle. Ce parcours en multicoque et en solitaire est fait pour lui. Ça a marqué et ça marque sa vie de marin. Et on a hâte de le voir sur la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'il fait un petit peu marquer, mais c'est vrai que je crois que c'est fatigant, hein, c'est dur, hein, c'est un défi physique. Extrême, c'est une aventure, mais c'est aussi un défi physique d'arriver à mener ces bateaux en solitaire. Thomas est un athlète exceptionnel, il travaille beaucoup sa préparation physique, mais néanmoins, on voit que ça laisse des traces. Mmh. D'autant plus qu'il a fait une chute aussi hein, dans son cockpit il n'y a pas très longtemps, Thomas Coville, c'était un peu fait mal, pas trop grave heureusement, mais bon, quand même. Oui, il a eu très peur. Voilà, il a eu très peur. Charles Caudrelier, lui, s'est légèrement blessé au bras en prenant son bras dans l'éolienne de bord, je crois. Ouais, il a failli chavirer aussi dans les grains du poteau noir. Donc oui,
Armel, on l'a vu quand il a passé la Nouvelle-Zélande par le Nord, avec les stigmates d'une chute ou d'une petite blessure sur le visage. Donc voilà, ça laisse des traces. Hein. Sur ces bateaux, c'est une vigilance de tous les instants, hein, vraiment, plus que sur d'autres, peut-être encore différent des IMOCA, des monocoques de 18 mètres sur lesquels vous avez navigué, par exemple. Vraiment différent. Bah, la particularité du multicoque, c'est que c'est plus stable à l'envers qu'à l'endroit. Et donc quand le danger, c'est le chavirage. Mais donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Sur un monocoque, on peut très bien se coucher ou partir à l'abatté. Enfin, le bateau peut faire des embardées. Là, sur le multicoque, il n'y a pas le droit. C'est interdit. Mmh. Et donc il faut vraiment être ultra vigilant. C'est hyper stressant. Et du coup, il y a des alarmes un petit peu partout qui sonnent en permanence. Et donc, les phases de sommeil sont quand même relativement courtes. La gestion du sommeil, c'est vrai que c'est important pour ces marins. Alors, on voit toujours hein, les images, bien sûr, du Maxi Edmond de Rothschild en approche de Brest. Il devrait arriver, je vous le disais, Quai Malbert autour de 10h30. Hein, ça ne devrait plus tarder. Je ne sais pas l'heure précise, mais on l'attend de pied ferme. Charles Caudrelier, au départ, ici à... Alors, je reprends, pardon, mais à Brest lors du départ, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de monde ici, Quai Malbert, et qu'on a eu droit à un moment très émouvant lorsque les marins ont quitté les pontons avec leurs proches à côté d'eux, leurs familles, leurs équipes. Un moment particulièrement émouvant pour tous ces marins, pour Charles Caudrelier aussi, qui lui avait choisi de rester un petit peu avec ses deux enfants. Ils l'ont accompagné à bord du Maxi Edmond Rothschild, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était surtout la concentration hein, qui primait. On va écouter ce que disait Charles Caudrelier ce jour-là, juste avant de quitter les pontons brestois. Bon, ça fait plaisir de voir autant de monde, évidemment, c'est très touchant, et puis plus c'est tôt. Donc les gens se sont déplacés, et, voilà, donc c'est toujours un moment important. Après, nous, on est un peu dans notre bulle, et on est concentrés, et puis voilà. Donc, mais oui, c'est bien sûr, évidemment, ça fait plaisir. On en profite plus à l'arrivée, pour être honnête. Voilà, ça c'est sûr, il va en profiter. Incroyable, hein, la différence de visage, de comportement entre ce départ où effectivement il paraît vraiment habité. Il sait comment il va dérouler ce tour du monde. Et puis quand on voit la personnalité complètement différente qu'il est à l'arrivée, c'est dire cette capacité que Charles a à devenir caméléon finalement, hein, à s'adapter à la situation. Vous qui avez vécu beaucoup d'arrivées, Yann, comment on les passe ces dernières heures là avant de toucher les pontons? On se prépare finalement mentalement à vivre une grosse bouffée d'émotions? Est-ce que c'est un moment particulier? Comment vous les viviez vous? Il y a l'excitation hein, de la gagne, d'en finir. Ça, c'est quand même primordial hein, parce que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. Encore ce matin, j'imagine, il devait y avoir du trafic maritime au large de Ouessant, des chalutiers. Peut-être qu'il y a eu des alarmes anti-collision qui se sont allumées. Donc, voilà, ces dernières heures, finalement, elles paraissent très longues et puis on n'a pas envie de dormir. J'en parlais tout à l'heure, il y a aussi une espèce de mélancolie qui s'empare de nous parce que c'est les derniers instants d'une formidable aventure, de ce moment passé tout seul à bord. Moi, je me suis surpris sur mon dernier Vendée Globe à pas avoir envie d'arriver ou en tout cas de pas avoir envie d'affronter toute cette marée humaine. J'aurais bien aimé couper la ligne d'arrivée et rentrer directement à Lorient, Catimini. Et puis, moi, je crois que finalement, la joie de retrouver son équipe, sa famille, tout ça va le subjuguer et l'emporter. Et puis, je crois qu'il faut se laisser aller après. Hein. Il y a plus, faut laisser faire les choses. De toute façon, il faut juste les vivre et les ressentir. Alors, c'est certainement sa plus belle victoire à Charles Caudrelier, mais ce n'est pas sa première, hein, puisqu'il a déjà un beau palmarès à son actif. Il a notamment remporté la Route du Rhum en 2022. Il a gagné la Volvo Ocean Race, course autour du monde en équipage en 2018. Je vous propose de découvrir tout de suite son portrait. Il est signé Gilles Le Morvan. Pour ses 50 ans, Caudrelier s'est offert le plus beau des cadeaux. Boucler un tour du monde en solitaire, fallait déjà le faire. Finir devant les copains, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça ne fut pas de tour pour. C'est quand même bien violent. Parce que parfois, le bateau et le bonhomme ont pris cher. Pour le trimaran, notamment le bras avant cassé. Pour le marin, ici, l'avant-bras amoché. J'ai voulu me battre avec l'éolienne. C'est mon bras qui est passé dans les pales de l'hélice. Un coup de bol, les dégâts sont pas gros.
Des moments compliqués, mais des souvenirs impérissables. 40 000 km en tête, quasi de bout en bout. Ici, le Cap Horn, 6 février. Magnifique! Premier à passer le Cap Horn. Premier bateau volant à passer le Cap Horn. Pour Caudrelier, l'aventure du bateau volant commence en 2019 quand il rejoint l'écurie Gitana et son copain Camas. Ensemble, en 2021, sur leur ultime, ils remportent la Jacques Vabre. Un an plus tard, en solitaire, c'est lui qui récupère les clés. Ça y est, Charles Caudrelier vient de lever la main. Sur son tout premier rhum, il s'impose en Guadeloupe. Je dis souvent, c'est une équipe de Formule 1 et moi je suis le pilote et il faut le dire, je pense la meilleure voiture donc c'est, ou une des meilleures voitures, donc ça aide à gagner. Hein. Un coup de maître qui ne doit rien au hasard, à son palmarès déjà à l'époque, Transat et Tour du Monde en équipage, le pied dans la cour des grands, il l'avait mise en 2004, vainqueur du Figaro à 30 ans. De gens comme Armel, Michel Desjoyaux, Franck Camas, tous ces gens locaux, tous ces gens-là, leur succéder c'est... Je les considère comme des grands mains et faire partie. J'ai l'impression de faire partie un peu d'eux, donc c'est extraordinaire pour moi. Désormais, c'est donc lui qui fait figure d'exemple. Ado, c'est en fauchant le bateau de son père qu'il s'était offert son premier frisson de voile. Aujourd'hui, le voilà qui remporte la première course autour du monde en solitaire sur trimaran volant. Comme quoi, désobéir un peu, ça peut vous mener très loin. Premier de la classe, Caudrelier. Voilà, un retour à Brest où nous sommes toujours en direct pour suivre l'arrivée du vainqueur de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, Charles Caudrelier, qui a passé donc la ligne d'arrivée tout à l'heure aux alentours de 8h37 en 50 jours et un petit peu plus de 19 heures de course. Il est attendu ici au Quai Malbert aux alentours de 10h30. On va tout de suite retrouver Gaël Robic qui est toujours sur le Maxi Edmond Rothschild. Et je crois que vous êtes, Gaël, en compagnie de Cyril Dardachty, le team manager de Gitana. Oui, on vit des moments privilégiés à bord du Maxi et Trimaran Gitana 17. Charles Caudrelier qui discute tranquillement avec la baronne Ariane de Rothschild. Et nous sommes avec Cyril Dardachty, le directeur général du team Gitana. Cyril, on a lancé un tour du monde particulièrement copieux et c'est vrai que ça a été une sacrée belle aventure. Oui, c'est vrai que c'était, ça a été un tour du monde un petit peu comme on l'attendait, c'est-à-dire que des conditions vraiment musclées. Toute la partie sud et notamment entre le Cap Horn et le Cap Lewin et le Cap Horn, ça a été des conditions qui étaient comme on les attendait, musclées avec du vent. On a eu pas mal de pépins techniques qu'on a réussi à résoudre et dont on parlera plus tard. Mais c'était une épreuve incroyable qui a montré que ce bateau était le bateau référence, qu'on avait le marin référence et je pense que ça récompense 10 ans de travail. Acharné puisque dès 2013 on a cru au vol hauturier et notamment de faire le premier trimaran de course au large volant et ce Maxi Edmond Rothschild en fait représente finalement tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui et je crois qu'on avait un rêve en 2013 qui était de voler autour de la planète. Ce rêve là il est réalisé et je pense que c'est vraiment un bon message finalement pour tous les jeunes finalement qui ont des rêves et de se dire qu'ils sont toujours réalisables. Ça demande du travail, mais c'est réalisable. Cyril, quand vous avez embauché et Franck Camas et Charles Caudrelier, c'était la bonne idée, quoi. Je pense que c'était le combo qu'il fallait. Et puis aujourd'hui, Charles a montré aussi qu'il était capable de faire les choses seul et de très belles manières. Et je pense qu'aujourd'hui, on récompense un grand marin. Merci, Cyril. Merci. Petite information, évidemment, le Maxi Trimaran est à vendre, mais nul doute que le prix a dû sans doute un petit peu augmenter ce matin. Oui, merci Galant. On en reparlera. Yann, vous qui avez navigué sur ce bateau, puisque vous avez été équipier remplaçant, on le disait, en 2020-2021, il a résumé un petit peu tout, Cyril Dardachty. C'est vrai que c'est le bateau référence de la classe. Charles Caudrelier, en plus, il le connaît très bien, puisque ça fait 4 ans maintenant qu'il navigue sur ce bateau. C'était l'un de ses atouts, finalement, aussi. Oui, visiblement, il fallait s'élancer le plus tôt possible, avoir cette vision et ce rêve de faire voler des bateaux autour du monde. Mais c'est pas facile à accomplir quand même. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'obstacles à contourner ou à enjamber. Et le Gitana Team a réussi à relever le défi avec forcément deux grands marins, même trois à la tête du team. Cyril a parlé de Charles et Franck Camas. Quand ils ont décidé de changer de skipper,
ils s'imaginaient faire le choix avec sur un skipper, et Franck et Charles sont arrivés, on dit ben nous on veut être deux et on va se partager les courses et on va faire en sorte que Charles arrive le mieux préparé sur ce tour du monde. Voilà, Franck est parti et puis Charles est resté skipper principal depuis 2022. Je suis content pour Charles qu'il ait réussi un peu à s'émanciper aussi, à quitter l'aura de Franck, qui est un marin exceptionnel, qui mériterait aussi d'être à la barre de ce bateau sur ce tour du monde. Mais c'est Charles qui le réalise. Et je suis content pour lui, parce que c'est vrai qu'il a souvent été sous les ordres de Captain Franck, Captain Camas. Et là, il se réalise enfin lui-même. Alors c'est vrai, on le disait tout à l'heure, l'écurie Gitana a été précurseur, les premiers à imaginer ces bateaux volés. Gaël Robic le disait, le Gitana 17, le Maxi Edmond Rothschild sera bientôt à vendre parce qu'il y a un autre projet dans les tuyaux. En 2025, normalement, un nouveau trimaran géant sortira, le Gitana 18. Là aussi, on imagine bien sûr qu'ils seront en pointe. Ouais, bah, la réussite du projet permet d'avoir un coup d'avance et donc de se projeter sur un nouveau bateau volant. Ce Gitana 17 a déjà vraiment accompli son contrat. C'est vraiment la machine référence. Mais les nouvelles technologies, la possibilité de faire des tests, de faire du simulateur, laisse espérer qu'ils pourront aller construire un nouveau bateau encore plus performant, sans doute tourner un petit peu plus vers l'aérodynamie que l'hydrodynamie. Oui. On a une idée à peu près des vitesses moyennes. Je crois que c'était autour de 28 nœuds sur l'ensemble de la course. Et ça, c'est considérable quand même. Bah oui, on est pas loin. C'est-à-dire près de 50 km/h en fait. 50-60 km/h sur un terrain cabossé. Dans des conditions de mer et de vent exceptionnelles. C'est vrai que 50 jours pour faire le tour du monde à la voile, ça veut dire que notre Terre n'est pas si grande que ça. C'est la réflexion que je m'étais faite sur mon premier tour du monde. Ouais. Dans mon esprit, la Terre paraissait immense et ça me paraissait difficile d'en faire le tour. Bah là, ça y est, on le fait à la voile et en 50 jours. Alors, je crois que là, ça y est, Charles Caudrelier navigue désormais dans la rade de Brest. Il n'est plus très très loin, me dit-on, désormais des pontons, finalement. Et là, tout un cérémonial, bien sûr, va se mettre en place pour l'accueillir. Des personnalités seront là, tous ses proches également. Il y aura bien sûr la remise du trophée, une prise de parole, conférence de presse. Et puis, il viendra normalement nous retrouver aussi dans quelques minutes maintenant pour pouvoir échanger avec vous. J'imagine que ça va être un moment fort en émotion. Vous l'attendez. J'ai hâte de le serrer dans mes bras, en gros. Et puis beaucoup de questions aussi, je pense, à lui poser. Voilà. Alors, où est-il là précisément ? Est-ce que il vient de sortir du goulet. Il longe les jetées du port militaire. Le vent est de nord, donc il va faire une petite virgule, sans doute du côté de Pénoupel, la bouée, la latérale rouge qui est à l'entrée. Se mettre face au vent pour affaler la grand voile et ensuite rentrer ici dans le port et Kem Albert pour s'amarrer. Mais je pense qu'on a quand même encore un petit peu le temps. Un petit peu le temps. Au moins une demi-heure, trois quarts d'heure minimum. Alors justement, avant qu'il n'arrive, on va quand même dire un mot des autres concurrents. On a parlé de Tom Laperche tout à l'heure qui avait abandonné. Quatre sont donc encore en course. Le prochain qui devrait arriver, on le disait tout à l'heure, c'est Thomas Coville. Vraisemblablement jeudi. Ce matin, il était encore à 1300 de l'arrivée, un petit peu plus de 2500 km. Il contourne les Açores. Derrière Armel Lecléache, on disait qu'il a été malchanceux. Armel, il s'est arrêté deux fois au Brésil pour des avaries importantes. Son équipe a pu réparer. Il est en course, il devrait arriver troisième. Un peu déçu, certainement. C'est vrai que je pense à Armel, qui est un compétiteur né. On a vu dans son message que c'était difficile. Il accepte effectivement cette défaite entre guillemets pour lui, en tout cas je pense qu'il la vit comme ça. Il se voyait sans doute aux avant-postes. C'est des moments qui sont pas faciles quand on est en mer. Quand le premier arrive, ça y est, c'est fini. On sait qu'on ne gagnera plus et à la fois il reste 4, 5, 6, une semaine encore de mer. Donc voilà une pensée pour Armel, parce que moi j'ai déjà vécu ces moments-là. C'est dur, c'est dur, ça y est, ça acte la fin de la compétition. Mais il n'a pas démérité. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les avaries, par les conditions météo
n'ont pas été faciles non plus. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Ouais. Et puis à l'arrière, deux autres bateaux, Anthony Marchand et Éric Perron qui ferment la marche. Alors Anthony Marchand, il avait un bateau qui vole au départ. Je crois qu'il ne vole plus beaucoup puisqu'il a cassé des foils, hein, c'est oui, ça oui, oui, il lui manque ses deux appendices. Il lui manque ses deux appendices. Et puis Éric Perron derrière qui lui partait vraiment pour vivre une aventure, le rêve de sa vie avec un bateau qui ne pouvait pas voler, mais qui fait une belle course. Il a même été le plus rapide dans le Pacifique. Il a été plus vite que Charles Caudron. Relié d'une heure et quart, je crois. Ouais, c'est ces deux marins, je les trouve sympas parce que vous voyez à travers leurs vidéos, ils sont frais, ils sont sympas, ils sont contents d'être là. Ouais. Ils ont beaucoup ferraillé, bataillé, un petit peu dans l'ombre justement de ces grands marins que sont Armel Lecléache ou Tom Laperche ou Johan Richaume. Ils étaient un peu en arrière-plan sur les courses de la solitaire du Figaro, et on leur a offert la chance de participer à ce Tour du Monde. Ils en profitent, certes c'est difficile, certes c'est pas forcément le Tour du Monde rêvé, mais ils sont heureux d'être en mer. Je pense surtout effectivement à Eric qui est lui un entrepreneur dans l'âme. Hein. Il a décidé de forcer le destin et d'arriver à monter ce projet en dernière minute pour pouvoir faire le Tour du Monde. Alors on se rapproche doucement mais sûrement du quai Malbert. On voit toujours à l'image le Maxi Edmond de Rothschild entouré, escorté par une nuée de bateaux. On a aperçu tout à l'heure les jets d'eau là. Et puis voilà, on va suivre un petit peu ce qui se passe. Là on imagine que l'émotion doit être grandissante, que Charles Caudrelier doit bien sûr apprécier particulièrement ce moment. C'est toujours très émouvant, hein, on le disait, surtout quand on gagne une course comme celle-ci. C'est un petit peu le sas de décompression, mais enfin voilà, il a pu serrer dans ses bras ses enfants, une partie de ses proches, pas tous, hein, je pense qu'il restera encore ses parents à serrer dans les bras. Il doit échanger quelques regards, quelques signes avec certains marins qui sont venus l'accueillir, qu'il connaît bien. Qui sont sur les vedettes et sur les zodiacs. Et puis ensuite il y aura le véritable bain de foule qui va arriver dans quelques instants, puisque le public brestois enfin connaisseur va l'accueillir sur les quais Malbert. Et puis ensuite il aura le plaisir et la joie de communier avec le public sur le podium. Alors on disait tout à l'heure qu'il avait finalement l'air plutôt reposé, plutôt bonne mine en fait. Pourtant, il ne faut pas oublier que c'est quand même une épreuve, que ce Tour du Monde est épuisant. Il y a le bruit, il y a la fatigue, il y a la gestion du sommeil, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas évident. Cette vigilance de tous les instants, forcément on ne sort pas indemne quand même d'une course comme celle-ci, d'un Tour du Monde. Ça change un homme, un Tour du Monde. Oui, c'est clair. C'est vrai que ces 50 jours vont le marquer. Là, pour l'instant, il ne le sait pas encore et il a bien raison. Il en profite, cette victoire efface un petit peu toute cette fatigue accumulée, tension physique, nerveuse. Mais effectivement, quand tout ça va retomber d'ici 4, 5 jours, une semaine, voilà, il va vraiment y avoir une grosse fatigue la plus profonde qui va sans doute l'envahir. Mmh. Et c'est là que la famille, les copains doivent être bien présents à ses côtés. Voilà, on voit les fumigènes qui sont en train d'être allumés. Il est en approche et pendant effectivement qu'il arrive, on va retrouver tout de suite Gwenaël Bron sur les quais qui est avec Tom Laperche, on l'a dit, le concurrent malheureux qui a dû abandonner malheureusement au cap en tout début de course. Gwen, c'est ça, vous êtes bien avec Tom à vos côtés? Oui, tout à fait. Bonjour Tom Laperche, d'abord une réaction à la victoire de Charles Caudrelier. Ouais, bonjour à tous. Bon, j'ai envie de dire juste un grand bravo à Charles et puis à toute l'équipe Gitana, parce que finalement ça fait 5-6 ans qu'ils travaillent pour ça, ils ont gagné pas mal de courses et Charles a maîtrisé ce Tour du Monde super bien en course, en gérant son avance, en tout cas sur la deuxième partie de parcours. Et voilà, une belle maîtrise de lui, de son bateau. Il faut imaginer que c'est une équipe technique qui prépare un bateau comme ça se joue dans beaucoup de détails. C'est assez impressionnant le nombre de choses qu'il faut vérifier. Et puis ensuite, sur l'eau, il faut être à l'écoute de beaucoup de choses. Et le moindre grain de sable, le moindre petite chose peut pousser à la catastrophe
ou à l'arrêt. Donc voilà, c'est une maîtrise assez impressionnante. Vous avez réussi à suivre la course après votre abandon malgré tout. Vous l'avez suivi avec quel regard? Ouais, au début, je n'ai pas beaucoup suivi. Et puis, si je regardais un petit peu ces deux dernières semaines, ce qui se passait maintenant, pas forcément de manière très précise, mais ni dans le détail, mais voilà, de savoir un peu où ils en étaient, à peu près les conditions, mais voilà, de manière assez rapide. On se doute qu'être là-haut aujourd'hui, pour vous, être venu par la terre et non arrivé par la mer, ça doit pas être simple. Bon, c'est pas simple, c'est évidemment parce que j'avais imaginé ce dont j'avais envie, mais voilà, c'est important de venir saluer Charles et l'équipe Gitana. Ils ont gagné et puis nous, il y en aura d'autres, j'espère, dans les prochains mois et les prochaines années. Vous serez là dans 4 ans pour la prochaine? Ouais, j'espère vraiment revenir avec ce trimaran S vers la Zartigue sur les prochaines courses. Alors d'ici 4 ans, un Tour du Monde, il y en aura d'autres et il y aura des transats et déjà une perspective de trophée Jules Verne. Ça, c'est vraiment le concret pour l'année prochaine. On devrait être 4 ultimes à partir en équipage sur un Tour du Monde. Donc, ce sera déjà une super course. Ben, on vous le souhaite, Tom. Merci beaucoup. Merci Gwenaëlle. Voilà, Tom Laperche, très, très fair play, hein, bien sûr, qui est déjà dans d'autres projets, mais on imagine bien qu'il aurait bien aimé suivre les traces de Charles Caudrelier, ouais, pour le moins. C'est pas facile, hein, c'est pas facile d'accepter effectivement la défaite, mais ça fait partie aussi du sport, de savoir venir saluer et applaudir le vainqueur. C'est, même si on a de l'amertume, même si c'est dur, même si ça fait mal, et c'est même plutôt bon signe, si ça fait mal, ça veut dire qu'il prend ça à cœur et qu'il y retournera. Et puis, il a tout l'avenir devant lui, hein, 26 ans seulement, donc effectivement, on le reverra, Tom Laperche, sans problème. Racontez-nous un petit peu là ce qui se passe. On est en approche donc de Brest, ça y est, on voit... En arrière-plan, la terre. Ouais, ça y est, Charles a donc claqué, comme on dit, deux feux à main, deux fumigènes. Ce sont des feux normalement de sécurité, hein, qui permettent aux secours de savoir où on est. Mais traditionnellement, on claque ces feux à main pour la photo, signe de victoire, et on célèbre son arrivée comme ça. Il s'est mis face au vent, l'équipe technique est en train d'affaler la grand voile, ça y est, on a 2-3 personnes qui s'affairent à ranger cette grand voile du mieux possible. On a vu deux bateaux à lance incendie, oui, qui sont venus l'accueillir aussi. L'abbaye Bourbon aussi qui est là, hein. Ouais. Voilà, on les voit là, effectivement. Ouais, très belles images. Ouais, vues du ciel, de l'hélicoptère. Je peux vous dire que quand on est à bord, c'est impressionnant de voir ces gerbes d'eau. Et Charles, aux anges, tout sourire. On va retrouver Gwenaëlle Bron, qui se trouve toujours sur le quai Malbert. Et avec vous, eh bien, un marin qui a lui aussi bouclé son tour du monde en solitaire et en multicoque. C'était il y a quelques années, c'est Olivier de Kersauzon, Gwenaëlle. Oui, Olivier de Kersauzon, un marin que tout le monde connaît bien ici et même bien au-delà. Olivier de Kersauzon, un mot une réaction à la victoire de Charles Caudrelier? Oh ben j'adore, la course est belle. De toute façon, c'est un parcours tellement extraordinaire qu'il n'y a pas plus belle course au monde que celle-là. Quoi. En plus, autour du monde, c'est le parcours complet. Avec des bateaux de 32 mètres, c'est de l'exercice physique total et intellectuel. Il n'y a jamais eu plus beau que la course qui vient de s'achever. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il faut que le temps que les gens comprennent. Mais quand ils sont à Brest, tout le monde a compris. Mais ailleurs, ils comprendront bientôt. Quoi, que c'est, et puis gagner ça, même courir ça. Parce que moi, je ne suis pas très... Oui, tout le monde... Non, je ne suis pas... Je trouve que emmener un bateau de cet état-là en solitaire autour du monde, aux vitesses à laquelle l'ensemble de la flotte a réussi le faire, c'est extraordinaire. Emmener un bateau de cette taille-là, cette vitesse-là autour du monde, en solitaire, arriver le premier, pouf, c'est la plus belle histoire qui puisse arriver à un individu. Donc, moi, c'est magnifique. Mais techniquement parlant, intellectuellement, physiquement, c'est-à-dire que le niveau d'engagement, de volonté, de réflexion, de pas se décourager, d'encaisser les coups, de savoir que c'est demain qui compte, et c'est extraordinaire. C'est un exercice mental, c'est pas dans l'air du temps, là, cette notion d'effort, de concentration, de prise de risque quand même, parce que c'est pas des mers où on vient vous chercher si vous avez des problèmes. Non, c'est vachement bien. Moi, je suis très admiratif et je suis très content de voir que le mal qu'on s'est donné, nous, il y a 30-35 ans, ça continue, quoi. Cette idée de toujours mieux, toujours plus loin, toujours plus fort n'a pas été abandonnée, quoi.
Et cette course devait avoir lieu à Brest. Oui, parce que Brest est le centre du monde, comme chacun sait. Réellement, du monde maritime, j'entends qu'il est le seul vrai monde, vu que les deux tiers de la planète, c'est de l'océan. Donc. On vous a vu au départ, on sait que vous avez suivi cette course avec passion, j'ai l'impression, cette course, elle vous a fasciné. Avec beaucoup d'intérêt, avec ton antenne, des petites briques, des petits moments de où la nature humaine, mais on a un petit peu de jalousie quand même. Mais non, passionnant. Oui, puis j'ai adoré, puis je trouve que c'est l'honneur de notre sport, d'aller faire les choses qui n'ont pas été faites avec autant d'engagement, de courage, de violence. C'est aussi l'honneur des sponsors. Hein. Les sponsors, ils investissent des sommes folles pour que les bateaux... C'est plus qu'un sport, c'est de la recherche, c'est de l'engagement, c'est de la compréhension, c'est du faire mieux. Aujourd'hui, les bateaux ils tournent à plus de 25 nœuds autour du monde. C'est extraordinaire quand même. C'est quoi de plus beau, hein? C'est sur ces jolis mots que je vous remercie, Olivier de Kersauzon. Merci Gwenaëlle, là aussi un bel hommage d'Olivier de Kersauzon. C'est vrai génial. Qu'on le voit souriant, heureux de cette victoire de Charles Caudrelier. Hein. C'est vrai qu'il a apprécié, on sent qu'il l'a suivi de près et qu'il apprécie vraiment l'exploit. Ouais, quel bel hommage effectivement d'un grand marin, hein, qui est le marin emblématique de la rade de Brest. J'ai en mémoire de sacrées passes d'armes sur les trophées Jules Verne avec Bruno Perron. Les mots fleuris fusaient, les équipes se regardaient de travers. Mais aujourd'hui, qui de mieux que Olivier, effectivement, pour porter son regard sur cet authentique exploit et aventure que sont en train d'accomplir ces marins. Alors, puisqu'on parle d'histoire, tiens, un mot d'histoire, il y a tout juste 50 ans. C'était en 1974. Alain Colas était le premier à boucler un tour du monde en solitaire sur un multicoque. C'était Manu Reva à l'époque. Il avait mis 169 jours, Alain Colas. 50 pour Charles Caudrelier. On voit qu'en 50 ans, les choses ont vraiment beaucoup évolué. Les bateaux, évidemment, ne sont plus les mêmes. Mais on voit cette page d'histoire là qui vient de s'écrire. Et entre 1974, finalement, et aujourd'hui, eh bien, seul 8 marins avec Charles ont réussi cet exploit. C'est quand même incroyable. Ouais, 169 jours, ça laisse rêveur. Quel cran il fallait avoir en ce temps-là pour se dire je vais faire le tour du monde, qui plus est sur un multicoque, mais qui était en alu à l'époque. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, ces 6 marins, ces 6 équipes, ces 6 sponsors ont cru en cette aventure. Et ce sont vraiment des pionniers, comme on l'a rappelé déjà ce matin, comme en 89, quand ces 13 marins s'étaient lancés sur le Vendée Globe. On se souviendra de ces 6 marins-là, de ces 6 pionniers. Alors on entend l'hélicoptère qui est juste au-dessus de nous, qui survole, vous le voyez, le quai Malbert, où le public arrive pour assister à la victoire de Charles Caudrelier. On va retrouver tout de suite Gwenaëlle Bron, qui se trouve elle aussi sur le quai, en compagnie d'une navigatrice cette fois-ci. Il s'agit de Samantha Davis, l'anglaise. Oui, tout à fait, Sam Davis, qui connaît bien Charles Caudrelier puisque vous avez navigué ensemble. Alors j'imagine que vous vous réjouissez aujourd'hui de sa victoire, Sam. Ah bah oui, c'est génial de le voir arriver avec son bateau. C'est pas facile à faire un tour du monde sur un ultime, je pense. Respect, chapeau. Je voulais être là pour applaudir. Vous avez échangé avec lui pendant la course. Vous avez comment vous l'avez senti tout au long de ces 50 jours, hein? J'ai échangé juste un petit peu, deux ou trois fois. Je pense qu'il maîtrise super bien. Je pense que c'est pas facile. Au début, je crois qu'il était stressé. On pense toujours à le maire du Sud, a envie de faire ça le plus vite possible et sortir parce qu'on sait que c'est dur. Et puis j'ai eu, oui, avec son petit escale à Açores, frustré. Je comprends la frustration de faire cette escale qui était sûrement clairement le bon choix à faire. Mais pour un marin qui a envie de faire un tour du monde sans escale, je comprends, mais c'était parfait ce qu'il a fait. Bravo. Ouais, il a fait preuve de sens marin là, sur cette escale, semble-t-il, à l'unanimité. C'est ce que vous avez pensé aussi? Ah oui, c'est clair. Avec les règles de cette course-là, avec un bateau fatigué et qu'il était obligé d'attendre, il n'y avait pas de question. Avec une super équipe technique qui peut contrôler le bateau, il n'y avait clairement pas de question. Il avait assez d'avance, donc c'était le bon choix.
Ce parcours, Sam Davies, vous le connaissez puisque vous avez fait plusieurs Vendée Globe. Est-ce que une femme, est-ce que vous, sur un multi, un maxi trimaran dans 4 ans peut-être, c'est quelque chose de, qui vous donne envie? Moi, non. Mais j'ai eu la chance, j'ai fait le routage météo avec Thomas Coville dans son cellule de routage quand il a eu le record. Donc j'ai vécu ça un peu à l'intérieur et j'ai pu naviguer une ou deux fois sur son bateau en essayant de juste déplacer une voile sur le trampoline. Oui, physiquement, c'est encore au-delà. Moi, je trouve que c'est trop stressant. J'adore les imoca, donc moi, je reste sur les monocoques. C'est bien possible pour une femme de faire ça. Ouais. C'est clair que tout est possible. Il faut juste aménager le bateau pour qu'on peut physiquement envoyer les voiles, les utiliser. Il y a plein d'astuces. Un jour, je suis sûre qu'on va voir les femmes faire ça. Et ben, on l'espère, on les attend à Brest. Merci beaucoup, Sam Davies. Merci Gwenaëlle. Vous êtes d'accord avec ça, hein, Yann? Ouais. Un jour, une femme sera à la barre d'un de ces géants des mers. Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et je peux même vous dire que ce sera peut-être une des 4 femmes qu'on a au pôle Finistère course au large en ce moment, qu'on entraîne avec Erwan Tabarly et Jeanne Grégoire, dont centre d'entraînement dont fait partie Charles. Et on voit arriver une nouvelle génération de femmes qui, ça y est, poussent les portes, imaginent repousser ces frontières de l'impossible et qui... je suis sûr, arriveront à mener un ultime autour du monde. Elles n'ont pas froid aux yeux, elles sont physiques, c'est des battantes, des guerrières, elles m'impressionnent. Mmh. Et oui, ça arrivera un jour, c'est sûr. Alors, elles ne sont pas encore aussi nombreuses que les hommes sur les courses, mais on le voit, hein, sur le Vendée Globe, maintenant, il y a quand même des femmes. Sur la Route du Rhum, il y a des femmes. Donc, on peut espérer effectivement un jour que sur l'Arkéa Ultime aussi, on verra une navigatrice. Alors, ça y est, cette fois-ci, Charles Caudrelier est de plus en plus près du Quai Malbert. Il s'approche avec tous les bateaux pour l'escorter. On n'entend plus l'hélicoptère. Donc, on voit maintenant que l'hélicoptère est au-dessus du bateau. Plus très loin, on aperçoit l'abbaye Bourbon derrière. Donc, Charles Caudrelier qui devrait arriver aux alentours de 10h30. Un petit mot de technique, Yann. Lorsqu'il va arriver, je crois, le comité de course va monter à bord du bateau pour contrôler, en fait, que tout est comme il se doit à bord, c'est ça? Racontez-nous un petit peu la procédure, en fait. Alors, ça a démarré même avant la ligne d'arrivée. Donc, le comité de course lui a envoyé un code pour qu'il puisse déplomber, c'est-à-dire enlever le scellé de l'arbre d'hélice du moteur. Et puis ensuite, effectivement, les premières personnes à monter à bord, une fois qu'il sera à quai, ce seront les jaugeurs, ce sont des arbitres fédéraux qui vont faire le tour du bateau et vérifier que tous les éléments de sécurité, tout ce qui était fixe à bord, n'est pas bougé. Et puis, l'équipe technique montera à bord également et puis on aura les premiers mots et on va pouvoir le voir en vrai. Voilà, il a... Voilà, effectivement, une prise de parole, un micro tendu est prévu sur les pontons dès son arrivée, avant bien sûr tout le protocole qui l'attend. Cela devrait durer à peu près une heure. Voilà, là cette fois-ci, on devine au fond le Quai Malbert. Je suis sûr que si on sortait de notre... On le verrait. On le verra. Il est pas loin. Ça y est, à une centaine, 200 mètres. Non, on ne le voit plus. Pas encore. On ne le voit toujours pas. Le technicien nous fait signe. Non, on ne le voit pas. Mais on va le voir. Mais ça ne devrait pas tarder. Le ciel s'est un petit peu obscurci. Hein. C'est dommage. C'est vrai que tout à l'heure, on avait un beau lever de soleil. Là, désormais, les nuages ont refait leur apparition. Bon, ce sera un petit peu gris pour l'arrivée. Mais les conditions sont quand même bien meilleures qu'hier où on avait beaucoup de vent. Ouais. Il fait froid, ça, c'est sûr. Mais voilà, le vent s'est calmé. C'est déjà une bonne chose. Pour le public, pour lui aussi, c'est quand même plus agréable. On a tous été surpris hier, effectivement, de l'arrivée de ce vent de nord à plus de 70 nœuds, quasiment 140 km/h de vent. C'est dire que les conditions en mer devaient être difficiles et que Charles a dû s'employer à ralentir pour laisser passer ce phénomène météo. On voyait tout à l'heure à l'image la trouée, la percée de ciel bleu et de soleil qui nous a offert ces magnifiques images.
Mais c'est vrai que on est en hiver. Hein. On est encore en hiver et on est encore en février. Il ne faut pas l'oublier. Alors on va tout de suite repartir Kemalbert où se trouve toujours Gwenaël Bron. Et Gwenaël, vous avez avec vous des spectateurs qui sont venus applaudir l'exploit du marin. Oui, des spectateurs qui sont venus très tôt parce qu'il faisait à peine jour tout à l'heure quand j'en ai repéré quelques-uns. Madame, vous avez dormi sur le parking, c'est ça ? Tout à fait. Oui, j'ai dormi. Je suis arrivée hier soir, j'ai dormi sur le parking, dans mon van. Et à 7h, j'étais là. Pour être aux premières loges ? Tout à fait, parce que c'est des sacrés mecs. Donc il faut être là pour les accueillir. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est le kiff, c'est-à-dire ? Je vous verrai ça tout à l'heure quand il va passer là. Non, mais c'est une émotion folle, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure en regardant les images du passage de la ligne ? Je l'ai pas trop vu, moi. Ah, vous n'avez pas vu ? Non. Okay. Mais ici, déjà, ouais, ça va être top. On sent que ça monte un petit peu, là. On entend l'hélico, on sent les gens un peu excités. Ouais. Ah oui. Puis là, on a vu Tom, là, tout à l'heure. On aurait bien été un peu lui remonter le moral, mais bon. Il va y aller, puis il va gagner aussi. Une réaction aussi peut-être, madame ? Oui, bonjour. Alors moi, je suis venue avec les enfants qui ont suivi à l'école, donc Liam ici et Marley, qui ont suivi la course des ultimes à l'école tous les jours. Donc c'est un vrai plaisir d'être là pour accueillir le premier. Voilà. On peut leur poser une question peut-être ? Allez-y. Ils ne sont pas très, très grands, mais j'imagine qu'il y a de l'émotion. Ils ont 6 ans. Ah oui, en effet. Alors qu'est-ce que tu attends là ? Les ultimes. Et comment il s'appelle, le vainqueur, alors ? Charles Caudrelier. On félicitera la maîtresse, ils ont bien travaillé. Ok. Et je ne sais pas si on a encore un peu le temps, mais je crois qu'il y a des photographes aussi qui se sont levés. On n'a plus le temps. Je crois qu'il arrive bientôt. Alors ce sera pour une prochaine. Merci beaucoup, Gwenaël. C'est vrai que Brest, hein, c'est la ville aussi de la voile, la ville des records avec le départ du trophée Jules Verne, des traversées de l'Atlantique, maintenant de l'Arkéa ultime. On sait que les Brestois ou les spectateurs qui viennent ici font toujours bon accueil aux marins. Vous l'avez vécu, vous, d'ailleurs, je crois, en revenant lorsque vous avez disputé le trophée Jules Verne avec Bruno Perron, c'est ça, en 2002-2005. C'est presque émouvant, hein, je trouve, hein, d'entendre parler. Ces spectateurs qui comprennent et mesurent effectivement l'exploit. Ils veulent être là pour voir Charles et là, arriver. Voilà, ils vont pouvoir l'applaudir. On le voit, fumigène en main. Ouais, on va bientôt pouvoir le voir. Ça y est, le voilà. On va profiter de ces images. Ouais, incroyable, hein, cette machine et ce marin qui viennent d'en finir avec ce tour du monde. Comme quoi notre planète n'est pas si grande que ça. 50 jours, 19h, 7 minutes, on le rappelle. Ouais, là où est Charles, normalement, il y avait une bâche aéro. Donc petit à petit, on découvre, et je découvre avec vous, les stigmates qu'ont laissé ce tour du monde sur ce Gitana 17. On voit que à l'arrière aussi, il manque des parties de bras qui profilaient l'arrière. Petit à petit, effectivement, se dévoilent les stigmates. Là, vous voyez cette partie-là, juste derrière, en dessous, le pavillon Arkéa ultime. Cette partie qui manque. Ouais, ça a laissé des traces. Il va y avoir un petit peu de travail hein, pour les équipes techniques, évidemment. Ouais, on s'y attendait. Hein. C'est vrai que ces machines n'avaient quasiment pas dépassé le cap de Bonne-Espérance depuis leur mise à l'eau. Et donc, finir et réaliser ce tour du monde, ça restait compliqué et difficile à réaliser. Alors, on va retrouver Gwenaël Bron, qui est toujours sur le Quai Malbert, en compagnie, je crois, du père de Charles Caudrelier, puis de Madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a fait le déplacement à Brest, Gwenaël. Alors, je ne sais pas si... Okay. Madame la ministre, un petit mot pour France 3 Bretagne, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous êtes allée sur l'eau, qu'est-ce que vous avez pu voir On a vu son arrivée. Moi, j'avais vraiment à cœur d'être ici à Brest, au terme de cette magnifique course en solitaire. C'est un challenge incroyable.
de l'extrême. C'est en même temps une course inédite, hein, la première fois que se fait comme ça ce tour du monde sur des ultimes en solitaire de cette manière en course. Et voilà, saluer cet exploit extraordinaire, Charles Caudrelier nous rend hyper fiers. Il y a une magnifique école de la course au grand large en France. Il y a vraiment ces navigateurs d'exception. Je voudrais d'ailleurs saluer les 6 qui ont pris le départ. Les 5, là, on va suivre leur arrivée séquencée. Ils ont livré un effort extraordinaire. Il faut vraiment se dire que c'est des challenges qui sont complètement hors normes, en fait, sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan mental. Et puis derrière, il y a aussi un très grand savoir-faire français en termes d'organisation sur ces courses-là, mais aussi en termes technologiques, pour mettre au point ces bateaux qui sont des petits bijoux, des grands bijoux de technologie. Donc au global, c'est vraiment une très très belle réussite. C'était très spectaculaire de voir cette arrivée. Je suis vraiment ravie et très admirative. Je le félicite encore, Charles. Je crois que vous l'avez eu au téléphone. Vous lui avez dit quoi en deux mots? Mais je lui ai dit un peu tout ça, en plus court. J'étais ravie. J'ai pu passer un moment avec sa famille aussi, son papa qui était à côté de moi là il y a un instant. Il y a beaucoup, beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. Ils vont être très heureux de le retrouver. Il va avoir ses sollicitations aujourd'hui, puis pouvoir débriefer toute cette course, nous raconter toutes les anecdotes, tout ce qu'il n'a pas pu dire pour l'instant. Ça va être des découvertes aussi super instructives. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, la pression qui monte, hein. On sent autour de notre tente, il y a le public qui court du quai pour venir accueillir, les photographes qui courent dans tous les sens. Et là, on sent que la pression monte et que l'arrivée de Charles à quai. Regardez, il est tout prêt. Amélie Oudéa-Castéral disait un petit bijou de technologie. C'est vrai, cette course, elle va encore faire progresser. On imagine hein, la technologie, les bureaux d'études, les constructeurs vont en tirer les leçons aussi de cette course, bien sûr, pour faire progresser ces bateaux. Ce qu'on souhaite tous, c'est de concevoir effectivement les bateaux les plus performants possibles et de gagner des courses. Mais à travers ça, ce qu'on souhaite surtout, c'est que cette technologie ruisselle vers le nautisme, vers le transport maritime. Mon rêve, et j'imagine que les architectes aussi, ce serait qu'un jour, on puisse remplacer l'énergie fossile dans le transport maritime et qu'on puisse permettre à tous ces transports maritimes de se faire à la voile, pourquoi pas sur des foils. Oui, c'est vrai que ces courses, elles servent aussi à ça, hein. Il faut le rappeler. In fine, ouais, je crois que c'est l'objectif de tout le monde, hein. Il faut le rappeler, c'est que... dans la transition écologique, on arrive à faire ruisseler toutes ces technologies. Alors, on voit une très belle image là, vue du ciel prise au-dessus du Maxi Edmond de Rothschild. Voilà, Charles Caudrelier à bord avec ses enfants. Une partie de son Maxime. Équipe, Maxime, Nina. Nina, qui ont dû suivre ça avec attention. Hein. C'est pas facile hein, pour ceux qui restent à terre. On parle beaucoup des marins. Oui. On parle effectivement de la difficulté d'accomplir ce tour du monde. Mais pour les proches, rester à terre, c'est pas facile non plus de suivre la carte. Justement, on va en parler avec son papa, puisque Christian Caudrelier, le père de Charles, lui, il est resté à terre et il se trouve tout de suite, il est en compagnie de Gwenaël Bron. Gwen, m'entendez-vous? Voilà. Avec... Je suis donc avec Monsieur Caudrelier, le papa de Charles. Votre fils est juste là. C'est un moment incroyable. C'est formidable. Et c'était une épreuve assez émouvante parce que ce moment nous a quittés au moment de la route du Rhum. Et donc je pense que pour lui, c'est important aussi cette course. Il la voulait et je suis sûr qu'elle était avec lui. Donc c'est formidable, il arrive au bon moment et il a fait beau au départ, il fait beau à l'arrivée. Sans dire que... C'est un moment d'émotion. C'est vraiment pour tout le monde, pour toute son équipe, pour ses frères. Et pour le papa. Et pour le papa éventuellement. Comment vous avez vécu cette course, monsieur? Comment vous avez vécu ces 50 jours? J'ai pas beaucoup dormi, mais lui non plus, je pense. Donc voilà. C'est ça, c'est. Vous avez été en échange régulièrement avec Charles? Non, je vais pas. Avec ses enfants, oui, mais moi pas. De temps en temps, un petit texto, mais il y avait d'autres choses à faire. Et là, vous l'avez déjà vu ou c'est tout de suite? Non, on va le voir là. Vous avez envie de le serrer dans vos bras? Je vais vous laisser profiter de ce moment. Merci, monsieur Caudrelier. Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, Charles Caudrelier qui s'apprête à rejoindre les pontons. 50 ans depuis hier, hein, on le rappelle, Charles Caudrelier, un bel anniversaire.
pour ce marin né à Paris mais qui a grandi en Bretagne, qui a tiré ses premiers bords dans le Finistère avant d'avoir la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Et cette belle victoire tant méritée, tant attendue. Ouais, Charles qui, ça y est, va passer de marin à terrien dans quelques instants. Pas facile de remettre le pied sur terre. Non, pas facile. C'est vrai que autant le départ n'est pas évident non plus. Hein. Le corps doit s'habituer à passer de terrien à marin. Les cycles de sommeil, la nourriture, les mouvements, le froid, tout ça, c'est pas facile au corps de s'adapter. Et autant le retour à terre va pas être facile non plus. Mais enfin, quand on a gagné, c'est quand même plus facile. Alors, allez, on va l'écouter parce que il va bientôt s'exprimer, Charles Caudrelier, au micro de nos confrères de la presse nationale et régionale qui l'attendent de pied ferme sur le ponton. Ouais, on a encore quelques instants. L'objectif là pour toute l'équipe, c'est de bien attacher le bateau à quai avant de répondre aux sollicitations médiatiques. Hein. L'objectif, sécuriser le bateau et puis ensuite Charles pourra nous livrer ses premiers mots et commencer à nous raconter son tour du monde. Allez, on va vivre avec lui ces moments. Sourire, ça ne quitte plus. Voilà l'arbitre, le jaugeur qui monte à bord, qui va vérifier effectivement la conformité du bateau. Avec Cyril Dardachtis en team manager. Voilà. Il lui explique la procédure, ce qui va se passer. On l'entend un petit peu derrière lui. Il a choisi la musique de son arrivée. Ouais. C'est Queen, hein, Don't Stop Me Now. C'est lui qui l'a choisi, Charles Caudrelier, cette musique. Ouais, c'est un peu récent ça, mais effectivement, il peut choisir la musique sur laquelle il va être accueilli. Il a aussi sans doute choisi son menu, son premier repas. Ah, important. Ouais, important. On lui demandera tout à l'heure d'ailleurs ce qu'il a choisi. En tout cas, voilà, le sourire ne le quitte plus. On sent que... Ouais, bravo. François Cuyandre, le maire de Brest. À côté de la ministre, Amélie Oudéa-Castéra, qui l'embrasse. Ah, il a mis un pied à terre, mais est-ce qu'il va descendre de son bateau? Pas encore, c'est pas pour tout de suite. Et le champagne. Il a promis qu'il les arroserait pas, mais je suis pas sûr qu'il tienne parole. Pas tout de suite, allez, c'était un petit peu tôt. Par là. Ouais, faut vous avancer, autrement vous ne serez pas tous avec lui. Donc, hop, attention, Madame la ministre, je vous conseille de reculer, autrement vous allez faire reculer. Surtout par lui là, il est très violent celui-là, je connais. Attendez, parce que très méchant. Monsieur Cuyandre, on va devoir laisser les médias venir vers vous, donc il faut leur faire un petit peu de place, s'il vous plaît. Qui est chambreur. Place aux médias. Allez, les personnalités, ce sera pour après. Il y a du monde. Hein. Les pontons ne doivent pas être loin. Voilà, le télégramme est là, c'est bon, on peut commencer.
Attends. Là, autrement, ils vont bousculer, ça va être... Mais je me décale un peu. Non, non, merci. Une forêt de micros et de caméras, ouais. C'était très attendu, Jean-Claude Drolier. Non, il faut que tu arrives à venir par là, hein, parce que j'ai... Attendez, parce que là, si on commence à pousser un peu trop, ça va commencer. En rouge ? Martin, est-ce que tu peux te baisser un peu pour que tous tes collègues ne voient pas Netflix en lance image, s'il te plaît ? Tiffaine Combo, c'est toi qui est chargée de veiller au respect de... du protocole. Du protocole. Ouais. Faire en sorte que voilà, tous les différents médias, que ce soit son, vidéo, que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Bah, et écoute, c'est pas simple. Ça y est. C'est très particulier parce que... j'ai à la fois l'impression que ça a été très long et en même temps très rapide. Je me rappelle encore de ce départ fulgurant, là, on est tous partis au contact. Et puis cette première partie qui était vraiment super animée avec Tom, là, que j'ai vu là. On a fait une super course tous les deux au début. Et c'était... ça nous a permis, moi, je le remercie, parce que ça nous a permis de faire cet écart qui après m'a permis de gérer ma course. Après, ça a changé d'univers, c'est devenu une vraie aventure, quoi. Parce que c'était gérer le bateau, gérer ce mauvais temps, gérer les problèmes... vous verrez qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Tout le monde pense que ça s'est pas très bien passé pour moi, mais pas toujours. Donc voilà, et j'étais venu chercher une aventure et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai d'abord trouvé une course un peu trop extrême d'ailleurs, à mon goût, avec Tom au début. Et puis après, ça a changé d'univers et c'est ça que j'étais venu chercher. Et voilà, moi je me suis senti super bien sur cette course, très à l'aise. J'ai pas trouvé ça particulièrement dur. J'ai eu des moments difficiles, mais plus psychologiquement que physiquement, j'étais bien en forme et beaucoup d'énergie, peut-être là, parce que j'étais devant et que je sentais que je tenais le truc. Voilà, mais c'est beaucoup d'émotions. C'est une course solitaire, mais il y a tellement de travail d'équipe derrière, tous pour être là, tous les bateaux au départ. On a des équipes derrière nous et sans eux, on peut rien faire. Moi, je suis incapable de construire ce bateau, de le mettre au point tout seul, je suis incapable de le développer tout seul. Et c'est ça qui a peut-être fait la différence aujourd'hui, c'est que c'est la durée, l'engagement. Depuis 2019, je navigue sur ce bateau avec les mêmes gens et je le fais progresser et je le connais par cœur. Et je savais que c'était difficile pour ces bateaux-là de faire un tour du monde, pour l'avoir essayé déjà deux fois. Et d'avoir peut-être tout cassé avant les autres, ça nous a permis de revenir avec un bateau qui a des avaries, mais qui est quand même assez en bon état. Et voilà. Ouais, c'est vrai que mon palmarès, il a mis un peu de temps. J'ai eu des années, j'ai eu mes premières années qui ont été faciles en Figaro. Ça s'est bien passé, j'ai rapidement gagné cette course-là. Et derrière, j'ai pas réussi à concrétiser mon rêve d'être au départ du Vendée Globe ou de la Route du Rhum. Donc ça a été des années un peu de frustration, les 30-40 ans. Mais en même temps, je joignais tous les plus beaux projets, Safran, Groupama... Banque Populaire, tous ces gens-là m'ont fait naviguer et j'ai jamais arrêté de progresser, d'être avec les meilleurs. Et je fonctionne un peu comme une éponge, j'apprends de tout le monde et j'ai côtoyé les plus grands marins. Je crois que j'ai eu cette chance-là aussi de côtoyer des marins. Et je me suis et quand je suis arrivé à 40 ans, ça m'a souri. J'ai eu ce premier projet et puis cette Volvo Ocean Race. Et voilà, on m'a fait confiance et ces 10 dernières années, à 40 ans, je tenais skipper du bateau Dongfeng. À 45 ans, je gagnais la Volvo Ocean Race pour la deuxième fois avec ce bateau-là et cette équipe. Et puis, je rentrais et vous savez, c'est difficile à voir. Alors, je rentre et moi, j'ai la chance d'avoir pu m'exprimer. Et je parle pour tous ceux qui ne peuvent pas toujours le faire. Et en 2019, je rentre du Tour du Monde. J'ai rien derrière. J'ai peut-être un Figaro, mais j'ai pas de projet. Je ne sais pas où je vais. Alors, je viens de gagner la Volvo Ocean Race et puis mon téléphone sonne. Et on me dit, est-ce que ça t'intéresse de postuler pour le skipper de Gitana et voilà, après, les suites, vous la connaissez. Et pour la première fois, je me retrouve dans une équipe sur du long terme. Je n'avais jamais eu un projet. Et ça m'a permis de mettre toute mon expérience et tout ce que je savais dans une équipe où je me suis senti bien tout de suite, bien entouré. Je pense à Franck aussi, qui m'a beaucoup accompagné, appris à voler. Et puis, tous les gens de cette équipe qui sont brillants et qui avec qui j'ai... Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une histoire collective incroyable. Et ce bateau, c'est une légende, je l'ai dit au départ. Déjà, dans sa conception, il est légendaire, mais son palmarès va être légendaire. Et j'avais vraiment envie d'accrocher cette étoile-là. La réussite a été là, il en faut. Je pense à Tom qui, la course s'est arrêtée bien, il ne méritait pas ça. Je savais que ça pouvait m'arriver. Donc, jusqu'au dernier moment, j'ai été concentré. Et puis c'est passé. Voilà, il y a une belle étoile au-dessus. Charles a 50 ans.
J'avais pas raté ma carrière de marin, mais j'avais pas atteint mes objectifs personnels et je pensais que je les atteindrais pas d'ailleurs, parce que j'avais moins envie de Vendée Globe, et puis ce tour du monde, il est arrivé. Pour moi, c'était une évidence. Et j'ai dit, mais moi, je suis partant à 200%, c'est le truc que je veux faire. Et donc voilà. Et en plus, ce tour du monde, il a failli se... J'avais une énergie dingue parce que j'étais. Ce tour du monde, il a 15 jours avant le départ, je ne prenais pas le départ. Quoi. Je ne veux pas vous raconter pourquoi, mais j'avais des problèmes et je ne pouvais pas prendre le départ. Et puis tout s'est arrangé, tout le monde m'a soutenu. Et puis on est parti et j'ai senti que ça a failli m'échapper. Et j'ai senti que ce tour du monde était important pour moi. Et je suis parti avec une envie d'en découdre qui était incroyable. Donc j'avais cette énergie qui ne m'a pas lâché. J'ai pas eu un moment de fatigue quasiment, et à part ma tête qui parfois me fait des tours, le reste allait. Est-ce que c'est une sorte de pansement par rapport à... Non, je vais pas te parler de pansement avec tout ce que j'ai fait dans ma carrière. C'était juste, on vit au jour le jour, et j'avais pas prévu de faire la Volvo, et puis Franck Manga m'emmène là-dessus, et puis derrière on me propose de devenir skipper du bateau chinois, et... J'y allais pas forcément, ouais, j'avais pas envie de ça à ce moment-là, j'avais plutôt envie de faire le Vendée après. Mais ça a été une des plus belles aventures humaines que j'ai vécues, et je regrette pas, parce que tout ce que j'ai appris pendant ces deux éditions, c'est multiplié par 10, par le rythme de cette course-là, il est complètement dingue. Est-ce que c'est un peu manqué, et quel est le plaisir que tu vas t'offrir pour la... Ce qui me manque le plus quand on part en mer, c'est toujours ses proches, évidemment, et sa famille, sa femme, ses enfants. Et voilà, c'est eux qui m'ont manqué. Après, moi, je me mets dans ma bulle. Et puis, ils sont aussi habitués. Je pense que mes enfants, depuis que je suis né, ils me voient faire des tours du monde. Et pour eux, c'est normal. Donc, c'est pas si dur que ça. Et 45 jours, je partais pour 45 jours. Je me suis dit, par rapport à ce que j'avais fait sur la Volvo, j'étais plutôt... Voilà, mes sœurs qui m'ont manqué. Et voilà, et puis la nourriture aussi, c'est... J'aime bien la bonne nourriture, donc ça me manque. Mais j'étais heureux sur ce tour du monde. J'étais bien. Voilà. Bah, les moments forts, c'est ces premiers milles avec Tom, c'était assez magique quand même. Et puis après, le passage du Cap Horn, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des météos pourries comme tout le monde, mais j'ai eu des passages de Cap Horn et une arrivée assez dingue. Et puis ces avaries, et puis notamment, je pense que le moment le plus fort, c'est quand je déchire ma grand voile après le Cap Horn. Je me dis, mais je suis en train de gâcher ma course bêtement. Je me sens coupable parce que je fais une erreur quand même. Il y a plein de choses qui se passent, mais je pense que je fais une bêtise. Je n'anticipe pas assez. Et puis l'équipe réfléchit, revient vers moi, elle me dit on me propose une solution, tu peux ne pas t'arrêter, ça t'intéresse. Et je dis ouais, parce que je m'en veux tellement. Et un peu de boulot, mais ça va le faire. Et puis on dit en 3 heures, qu'une fois que tu prépares bien, en 3 heures c'est fait. J'ai passé 10 heures, je crois, à bricoler. Et à régler cette grand voile, et c'est incroyable. J'ai fait 15-20 jours avec une grand voile qui était déchirée en deux, pas sur une grande longueur, mais quand c'était cassé, je pensais que la course avait été pas finie, mais qu'en tout cas je m'étais mis en danger par rapport à la suite. C'était quoi la vie de galère, Charlie? Il y a eu la GV, il y a eu plein de choses. Après, il y a eu du classique, il y a eu tous les systèmes d'enrouleurs qui ont cassé. Il y a eu des voiles qui se sont abîmées, il y a eu des problèmes d'eau, à un moment j'avais un problème d'eau, il y avait des problèmes de... pas d'électricité, hein, c'est... des problèmes de foils, des systèmes de foils qui ont cassé, les safrans, j'ai perdu un planporteur de safran au milieu de l'Indien, enfin du Pacifique, voilà des petits détails. Mais j'ai eu la chance de passer à travers la grosse avarie sur laquelle on ne peut rien faire, ça faut le reconnaître. On a fait preuve d'ingéniosité et de voilà, avec toute l'équipe, ils m'ont proposé des solutions magiques. Et voilà, c'est vrai que quand je casse le bras bêtement, hein, dans une vague, 4 jours après le départ, je me dis, mais je peux pas continuer comme ça un tour du monde. Et puis ils m'ont rassuré, on a fait une solution qui nous paraissait et puis j'avais des moyens de vérifier, je contrôlais régulièrement et voilà. Il va manquer le Jules Verne, bah ouais, mais on va être nombreux à le tenter. Le Jules Verne, c'est autre chose, c'est un record. Ouais, c'est vrai que je suis pas très fétichiste, ou j'ai pas trop de trucs d'objets, ou j'ai pas de superstitions, ou choses comme ça. Mais ce bateau, il est dingue, quoi. Enfin, vous voyez, je pense que tout le monde le trouve beau. Et moi, j'ai la chance de mener ce bateau-là depuis 2019.
c'est sûr qu'il y a un petit côté... il m'a ramené, quoi. Il faut avoir confiance en lui. Quand le bras casse, je sais qu'il va tenir, parce que je sais comment il est construit. Et je sais tout ce qui a été fait dessus depuis sa naissance. Et donc voilà, et en même temps, c'est à moi aussi de le ménager, parce que si j'avais fait n'importe quoi, ben, j'aurais peut-être pas ramené. Des fois, je tirais un peu trop dessus. Il fallait trouver le bon rythme. Et voilà, mais ben, je le remercie. Je sais pas, ça va être, c'est un bateau qui aura sûrement marqué, qui va marquer ma vie, qui a marqué notre équipe, qui a marqué toute l'équipe, qui va marquer la famille, aussi notre armateur, parce que c'est un bateau d'exception. Et j'espère qu'il va rentrer dans les livres d'histoire parce qu'il le mérite. Est-ce que c'est la plus belle victoire de ta carrière ? Elles sont toutes belles, les victoires. Moi, ma plus grande émotion, c'est ma première solitaire du Figaro. Même mon premier classement visu, c'est parce qu'on a 20 ans, parce qu'on y croit. Et voilà. Mais c'est vrai que mes années, Gitana, elles sont dingues. La route du Rhum, c'est un enchaînement de fou, quoi. Je ne sais pas vous dire laquelle est la plus belle. Je n'ai pas les mêmes émotions à 20 ans qu'à 50 ans. Je sais que quand je gagne le Figaro, pour moi, ça reste... Voilà, d'un 25 ans, c'est pas pareil. Et la Volvo, évidemment, était... Comment faire une arrivée de Volvo comme ça, il n'y en aura plus jamais. C'était partagé avec un groupe, c'est aussi fort, quoi. Parce que ça a été la course, en tout cas, ça a été la course la plus dure de ma vie, la Volvo. Ça a été les années les plus dures de ma vie. C'était vraiment dur. Et là, j'ai l'impression que pour moi, ça a été plutôt facile. Tout m'a souri, quoi. Bah ouais, c'est sûr que quand j'ai perdu Tom, je me suis commencé à m'ennuyer plus, mais en même temps j'étais soulagé, faut être honnête, parce qu'il mettait une telle pression et je sentais qu'il était dans le coup et que son bateau allait vite et qu'il lâcherait rien. Et je me dis, mais comment on va faire pour tenir ce rythme-là? Je pense qu'on l'aurait pas tenu d'ailleurs, hein. Il y en a un de nous qui aurait craqué ou des problèmes. Je pense qu'on allait peut-être trop vite à ce moment-là, mais on n'était pas rentré dans le dur. Je pense qu'on arrivait dans le dur, on aurait forcément la mer, le sud, et nous, ça nous aurait imposé de baisser le rythme. Mais oui. Ben après, ça reste la première sur ces bateaux-là. On ne savait pas où on allait. J'avais dit qu'il n'y aura peut-être pas de bateau à l'arrivée. On a tous dû s'arrêter. Moi, pour des raisons de météo, mais j'aurais pu sans doute continuer. Enfin, j'aurais pu finir cette course sans m'arrêter techniquement. Mais on voit bien la difficulté et il n'y a pas à rougir. Je veux dire, les mecs en face de moi, les équipes, c'est des meilleurs. On découvre encore le vol. Il y a 7 ans, on ne volait pas. Quand ce bateau était mis à l'eau, c'était pour voler, mais on ne savait pas trop où on allait. On n'aurait jamais, je pense, imaginé que cette rafale avec nos bateaux. Voilà, on est passé de 20 nœuds près à 28-30 nœuds quand on va bien. On décolle à 15 nœuds devant, on est capable d'aller à 35 nœuds. C'est fou, et c'est que le début. On va faire des bateaux encore plus performants et on tournera autour du monde encore plus vite que ça. Voilà. Ben, ça a été l'horreur, j'arrivais pas à... J'ai pas réussi à me détacher tellement du bateau. J'ai essayé de regarder, j'ai dû regarder 4-5 films et voilà, pas une série. Des documentaires beaucoup sur le sport par contre, j'en ai regardé un peu quand même. Des podcasts un peu. Et j'ai lu un livre, mais j'arrivais pas, c'était difficile de se déconnecter. Et même là, j'avais le sentiment que si je me déconcentrais, je pouvais taper un bateau de pêche, je sais pas, n'importe quoi. Et du coup j'étais en veille permanente. Bien dormi les derniers jours, c'est sûr. Mais voilà, je me suis bien amusé quand il y avait des bricolages. Mais par moments, il y a eu des longueurs, c'est quand tout allait bien, quoi. Mais quand j'ai bricolé, ça j'aimais bien, ça m'a occupé. Charles, cette personnalité, laquelle on la connaît. Quoi ? Ça va toujours pas continuer de la raconter, d'avoir gagné cette course, d'éviter ce côté 1, etc. Bah, je suis conscient de plein de choses. Je suis conscient que pour faire gagner des courses, il faut avoir cette opportunité-là. J'ai couru longtemps, pendant 10 ans après l'opportunité. Et voilà, j'étais pas au départ des courses. J'en ai vu des départs. J'étais pas frustré parce que je connais ce sport et puis je faisais plein de choses belles. Mais voilà, donc je sais que pour faire un palmarès, il faut pouvoir s'exprimer. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et puis, j'ai aussi cette chance d'avoir été de projets de plus en plus, enfin, que du top niveau depuis toujours. Donc, à moins d'être un abruti, j'ai appris quand même, quoi. Et c'est sûr que je me suis nourri de tous, et de tous les gens que j'ai côtoyés. J'ai côtoyé avec l'équipage, j'ai côtoyé des gens de toutes les nationalités, avec des façons différentes de naviguer.
J'ai essayé de m'approprier ça, c'est ma méthode, je crois. Et, ben, et puis ma maman, ben, ouais, j'ai, quand même, j'ai atteint un certain niveau, et puis voilà, j'étais confiant. Puis quand on est dans, bien entouré comme ça, je pars super confiant, j'osais pas y penser, comme au Rhum, mais j'avais une certaine certitude que ça allait bien se passer, que j'étais, coche était cassée pour gagner, et qu'évidemment, il peut se passer plein de choses, mais que j'avais toutes les armes de mon côté. Et j'avais quand même maintenant un peu d'expérience et de confiance en moi. Elle n'est pas absolue, mais elle est là, quoi. Ben, je ne suis pas surpris. Bon, j'ai bien choisi ma journée aussi. On a attendu longtemps pour avoir une belle arrivée, pour que ça ne soit pas trop désagréable pour vous aussi et pour le bateau. Et je savais que ça serait une très belle arrivée, Brest. Bon, on sait, c'est une ville qui s'est fêtée. Et puis c'est une ville qui a une histoire avec ces bateaux-là, avec ses records, qui a marié avec Olivier il y a longtemps. Et moi, j'en ai pas fait beaucoup des arrivées à Brest, donc je suis ravi. Voilà, mais c'est que des bons souvenirs. C'est la Brest Atlantique, c'est cette course maintenant. Et ils sont là, et je sais pas, j'en étais sûr. Donc merci à eux, merci à vous, parce que voilà, une belle arrivée, c'est avec un beau public. De Tom Laperche, son concurrent malheureux, son adversaire malheureux. Quelques mots échangés. Ouais, moi je retiendrai cette communion déjà entre Charles et son bateau. Il a parlé de ce Gitana 17 comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé entre eux. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est notre meilleur compagnon, c'est notre maison, c'est notre sécurité, hein, d'être sur une machine, d'être capable d'affronter ces éléments et de faire le tour du monde avec. Et donc forcément il se crée quelque chose entre le marin et sa machine. Hommage à son équipe aussi, bien sûr. Et hommage à son équipe, à tout son team. Camas, qui l'a beaucoup aidé. Hommage à Franck. On voit à travers ses premiers propos que ça n'a pas été si simple que ça. Il y a eu quand même beaucoup d'heures de bricolage. Ça n'avait pas du tout transparu dans sa communication, dans ses vidéos. Mais il a passé du temps à essayer de trouver des solutions. Ce problème de grand voile aussi, hein, ouais. Qu'il a dû réparer après le Cap Horn. Et puis dans ses souvenirs, je retiendrai effectivement qu'il parle de la solitaire du Figaro. Ça vous parle, ça, Yann? Ouais, hein, ça me parle, parce qu'en 2004, quand il gagne, je fais deuxième juste derrière lui. Il vous a grillé la priorité sur, ouais, sur mais cette épreuve. Je crois que c'est un message aussi pour les nouvelles générations qui arrivent. Cette course-là, il faut la faire, il faut y passer, même si elle est dure, pour remporter et devenir un grand marin. Et puis, pour finir... Il dit aussi que ça, finalement, cette course n'a pas été la plus dure. La plus dure, c'était la Volvo Ocean Race, hein, le tour du monde en équipage. Là, vraiment, on sent qu'il en a, bavé. Mais celle-ci, finalement, pour lui, c'était pas si compliqué. C'est l'impression qu'il donne. Oui, bah, je crois que quand on réalise un véritable exploit, on a la chance d'être dans une espèce de flow, hein, c'est-à-dire d'état... second, où tout se passe bien, où tout se déroule comme prévu. C'est ça qui lui apparaît facile. Mais finalement, dans la réalité, je pense que c'était pas si facile que ça. Alors, les images se figent un petit peu. Je crois que c'est Charlie Dalin qui est monté à bord de son bateau. Non, il va peut-être monter à bord du bateau. Bon, on va attendre d'avoir l'image. Toute l'équipe, voilà, qui est à bord là cette fois-ci du Maxi Edmond de Rothschild pour des images, des... Ah, je vois Benjamin Schwartz, qui fait partie de l'équipe de routage aussi. Ouais, tout le monde est là, toute l'équipe est réunie.
à tous ces hommes de l'ombre. Hein. Ça fait du monde, hein, 20, 30 personnes. C'est vrai que sans eux, le marin ne serait rien finalement, ou moins, ouais, beaucoup moins. Oui, tout à fait, ouais, c'est un sport qui se pratique en solitaire, mais qui se prépare en équipe. Et il va nous déboucher la bouteille de champagne. Ça y est, cette fois-ci, c'est le moment. Ça y est. Ouais, elle est sympa cette image. C'est bien que tu ne sois pas tout seul à célébrer le champagne parce qu'effectivement, c'est une victoire collective. Voilà, une petite gorgée pour la route pour poursuivre les embrassades. Cette cérémonie d'arrivée. C'est ça, il faut partager ça. Hein. C'est les émotions qu'il faut savoir partager avec bah, tous ceux qui ont donné leur temps. Hein. C'est vrai que c'est du temps, c'est un engagement de l'équipe, mais aussi des familles, des membres de l'équipe, hein, parce qu'on est souvent, on n'est pas là, on est parti, ou on rentre tard le soir, ou on part tôt le matin pour faire que le bateau soit prêt le jour J. C'est un engagement total, hein, pas que du skipper. L'image au ralenti. Beau moment, beau sourire. Ah, il y a de la joie, c'est bien. Ça restera certainement gravé, bien sûr, dans sa mémoire, cette arrivée au lendemain de son 50e anniversaire. Hein. Quel beau cadeau. Alain, voilà, Colletier, là, qui secoue la bouteille, qui est... faisait partie déjà de l'épopée Orange dans les années 2000 et qui là fait partie déjà maintenant depuis plus d'une dizaine d'années de l'équipe Gitana. Voilà, bientôt on disait un autre bateau dans un an ou deux, un nouveau Gitana qui devrait sortir. C'est vrai qu'on peut se demander. Gitana 18. Se demander effectivement qu'est-ce qu'on va réussir à faire de mieux, mais j'imagine que les architectes là qu'on ne voit pas, ah, là, voilà, il y a Charles. Son équipe qui le porte en triomphe pour les photos. Ariane en bas à gauche, Ariane de Rothschild. Voilà la baronne Ariane de Rothschild qui est propriétaire de cette écurie de course au large qu'il a créée avec son mari, le baron Benjamin de Rothschild, en 2000. C'est la suite d'une longue histoire d'amour hein, entre la voile et cette famille de banquiers, la famille Rothschild. D'ailleurs, le nom Gitana, je ne sais pas si vous le savez, mais le nom du team Gitana, eh bien, on le doit à une ancêtre qui s'appelait Julie de Rothschild, qui était née en 1830, passionnée de photographie et de voile. Et elle s'était fait construire une goélette à vapeur, la Gitana, d'où le nom, la Gitana. Elle en a eu deux, Gitana et Gitana 2. Et elle rêvait de battre des records de vitesse et c'est ce qu'elle a fait. Sur le lac Léman, elle a atteint plus de 26 nœuds de vitesse, considérable pour l'époque. Et voilà d'où est partie l'histoire de Gitana. C'est la famille de Charles. On vient de voir passer son frère, Dimitri. Sans doute les petits-enfants ou les neveux et nièces aussi qui maintenant accès à bord. Là, tout ça prend un petit peu de temps, mais c'est vrai que... D'abord place effectivement à la communion avec l'équipe et puis maintenant avec la famille. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, il rejoindra la terre ferme pour recevoir son trophée, le trophée du vainqueur. Ouais, il n'a pas encore vraiment posé pied à terre. Non, hein. non, je crois que ça va prendre quelques minutes, effectivement. Je crois qu'il n'a pas tellement envie, vous le disiez, finalement, de quitter ce bateau. C'est difficile hein, de quitter un bateau sur lequel on vient de passer 50 jours. Ouais, c'est sa maison, effectivement. C'est sa maison, et du coup, d'un coup d'un seul, il se retrouve avec 20, 30, 40, 50 personnes chez lui, dans son salon. Il faut apprendre de nouveau à partager cet espace avec les autres. Mais bon, ouais, bah, ça n'a pas l'air d'être si difficile que ça. Hein. En tout cas, ça se fait avec bonheur. C'est ça, heureux. Voilà, et on voit les images du public. Alors, moins de monde qu'au départ, mais on pouvait s'en douter un petit peu. Il y a du monde quand même, mais c'est vrai qu'on est mardi.
il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Et finalement, on est mieux devant sa télé, certainement, pour regarder un petit peu cette arrivée. Mais quand même, on l'a entendu tout à l'heure au micro de Gwenaël Bron, des courageux sont venus, et parfois de très loin, hein, pour vivre ce moment historique qui fera date, hein, ça c'est certain, dans l'histoire de la course au large. Ouais, je crois que les fins connaisseurs, ceux qui ont été touchés par ces images, par la relation qu'ils ont avec Charles, et puis qui savent effectivement ce qu'est l'exploit, voilà, tous sont là sur le quai pour l'accueillir. On a vu tout à l'heure une dame qui avait même passé la nuit dans son van, oui, sur le parking où je me suis garé tout à l'heure. Courageux. J'ai essayé de pas claquer la porte trop fort pour pas réveiller. Vous l'aviez vu. Ouais, pour pas réveiller ceux qui avaient dormi dans leur camion. Mais oui. 5 degrés ce matin, et c'est vrai qu'il fallait être particulièrement motivé et courageux, hein, pour faire ça. Toujours à bord du Maxi Edmond Rothschild, avec son papa qui l'a rejoint, on le voit à l'image, Christian. Christian, ouais, moi qui, comme tout père de famille, peut-être n'imaginait pas une histoire comme celle-ci. Hein, quand on est père, on imagine sans doute peut-être plus des études, une situation sociale, et puis finalement le virus de la mer l'a pris. Il avait vu de chez lui sur la bête pour la forêt, la baie des fous, avec Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, vous voyez tous ces Figaro, Franck Camas, vous voyez ces Figaro croisés et tournés dans la baie, et c'est ça, ouais, qui lui a donné envie de se joindre à la course au large. Je ne dis pas de bêtises, il est capitaine de marine marchande. Hein, oui, tout à fait. Caudrelier. On le voit avec sa fille, avec ses enfants. Voilà, Nina dans ses bras. Nina et Max, oui. Et Max à sa gauche. Peut-être de futurs marins, hein, on ne sait jamais. Alors, on va peut-être revoir, on va en profiter, puisque là, voilà, il profite de sa famille. On va revoir un petit peu les images, hein, de cette arrivée très attendue ce matin, avec un beau lever de soleil comme décor. C'est vrai qu'il a... Il a bien choisi son jour. Vous les voyez, ces images toutes rosées. Et son bateau qui volait, hein, sur l'eau, ouais, toute la toile dehors. Une magnifique image qu'il nous a offert. C'est vrai qu'il tenait, je pense, à avoir une belle arrivée comme ça, à faire voler son bateau. C'est vraiment... vrai que la première surprise, c'était de le voir voler. On s'imaginait pas, on pouvait très bien imaginer qu'il ait perdu, qui sait, un foil ou un safran ou un plan porteur. Et la première surprise, c'est de le voir voler à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on peut dire quasiment qu'il a fait le tour du monde sur un bateau volant, avec ses magnifiques images, le soleil qui vient le saluer, Charles à la barre, qui profite de ses derniers instants. Enfin, franchement, des magnifiques images. C'est vrai que celle-ci, on va s'en souvenir longtemps, je pense. On voit l'hélicoptère derrière. Là, il était encore à quelques encablures de la ligne d'arrivée, qu'il a passé à 8h37, donc ce matin, au terme, on le rappelle, de 50 jours, 19h07 de course et 42 secondes, je crois. Voilà, on le voit qui lève les bras à l'avant de son trimaran. Levé de la victoire, heureux, le sourire, hein, on l'a dit toute la matinée, on l'a vu sourire, Charles Caudrelier. Avec le public, notamment, ouais, par quelques vedettes à passagers, les courageux qui ont bravé les éléments. Et toute son équipe qui monte à bord, une fois la ligne franchie, pour le féliciter, pour l'aider à convoyer le bateau à bon port. Son équipe, ses enfants, voilà, le sourire. L'air plutôt effectivement serein, pas trop fatigué, c'est vrai qu'il a fait cette escale aux Açores. Qui lui a permis de reprendre quelques forces, on imagine. Et puis là, voilà, les jets d'eau, l'abeille Bourbon, les bateaux militaires, et les fumigènes, l'image traditionnelle. Ouais, sacrées images, hein. Effectivement. Très belles images. Restons gravées. Franchement, ce lever de soleil, là, c'est... Vous avez eu des belles arrivées comme ça, vous, avec un beau lever de soleil? Toutes les arrivées sont belles, hein, forcément. On en a tellement rêvé qu'en plus, on a la chance, comme Charles, d'arriver à pouvoir lever les bras en vainqueur. La cerise sur le gâteau et le champagne, donc les images qu'on a vues il y a quelques minutes maintenant.
le champagne pour célébrer cette première victoire. Voilà. On va retrouver Gwenaëlle Bron qui elle, est en compagnie d'un autre skipper de talent. Charlie Dalin est avec vous, Gwenaëlle. Oui, Isabelle, je suis avec Charlie Dalin, arrivée deuxième du dernier Vendée Globe, grand marin également. Et vous connaissez bien Charles Caudrelier, heureux, j'imagine, pour lui aujourd'hui. Oui, très heureux. Ouais, c'est vraiment un exploit ce qu'il a réalisé. Faire ce tour du monde sur ce trimaran géant, ce trimaran volant. Voilà, c'est, savoir que c'est nerveusement, c'est très difficile. Hein. À mon avis, c'était difficile pour lui. Les hautes vitesses en permanence, le risque de chavirage aussi qui est toujours latent. Voilà, je pense qu'il doit être bien heureux de reposer les pieds à terre à Brest. Il fait bien les choses, qu'il est parti le dernier jour des vacances scolaires et il arrive au début des vacances scolaires de Bretagne. Donc voilà, le timing est parfait. C'est encore plus exigeant le multicoque que l'IMOCA que vous connaissez bien, Charlie. Ouais, bah, y a pas le droit à l'erreur hein, en trimaran. Voilà, c'est des bateaux qui peuvent se retourner. On dit toujours que les trimarans sont plus stables à l'envers qu'à l'endroit. Et aussi des très hautes vitesses, hein, au-delà des 40 nœuds, assez fréquemment. Et je pense que c'est très, très usant pour les nerfs, pour cette épée, d'avoir cette épée de Damoclès aussi du retournement au-dessus de la tête. Je pense que c'est très. Ça use les marins. Voilà, on voit sur les vidéos, ils ont tous l'air assez usés, assez fatigués par cette tension nerveuse permanente. Vous avez déjà eu le temps d'échanger avec lui là quand vous êtes allé sur l'eau ? Non, juste le temps de lui dire bravo à l'instant au ponton. Mais ouais, vraiment chapeau. Charles a vraiment un palmarès énorme, un des plus gros de la course au large aujourd'hui, clairement. Et, ouais, c'est aussi un travail d'équipe. Hein. On voit énormément de monde sur le bateau. Ouais, c'est des bateaux. Même s'il est en solitaire sur ces bateaux de course, il était en solitaire sur ce Tour du Monde. Ça reste des projets d'équipe, ça reste un sport d'équipe avec chaque rôle, chaque personne a un rôle important et chaque maillon de la chaîne de l'équipe a un rôle à jouer et doit avoir des compétences importantes. Et c'est vraiment ces victoires, c'est des victoires d'équipe. Donc c'est vraiment une victoire de l'équipe Gitana. Je sais que ce n'est pas votre projet pour tout de suite parce qu'il y a le prochain Vendée Globe, mais un jour peut-être sur un maxi trimaran, Charlie ? Oui, quand j'aurai atteint mes objectifs en IMOCA, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est des bateaux qui font rêver. Ouais, j'ai rêvé en suivant ce Tour du Monde. J'étais au départ à Brest, le jour du départ, de voir les 6 bateaux de la flotte voler littéralement au-dessus de l'eau. Voilà, forcément, ça met des étoiles dans les yeux et ça donne envie d'essayer. Merci beaucoup, Charlie. Merci Gwenaëlle, oui Charlie Dalin, qui pourrait bien un jour effectivement se retrouver lui aussi sur un trimaran géant. Charles Caudrelier qui est en train de quitter son bateau. Il va d'abord devoir traverser la foule. Un bouquet de fleurs à la main. Un mot quand même, on disait effectivement il n'a pas battu le record de François Gabart hein, qui était d'un peu plus de 42 jours, record qu'il a établi en 2017, record du Tour du Monde en solitaire sur un multicoque. Ceci étant, il a quand même battu des records durant cette course au Tour du Monde, Charles Caudrelier, le record de l'Équateur, entre l'Équateur pardon et le Cap de Bonne-Espérance, 5 jours 17h21 minutes, entre Wesson et le Cap Lewin en Australie, un petit peu plus de 18 jours, et puis record de la traversée de l'océan Indien aussi, entre le Cap des Aiguilles et la Tasmanie en 8 jours et un peu plus de 8 heures, faut le noter quand même, hein, c'est de belles performances aussi là qu'il a réalisées, on en a peut-être moins parlé, mais ça compte. Oui, tous ces passages et ces temps intermédiaires... sont maintenant inscrits dans les tablettes. Charles a... Alors, pour battre le record du Tour du Monde, effectivement, il faut vraiment disposer d'une météo vraiment... C'est ça. Il n'est pas parti dans les conditions dans lesquelles il serait parti pour battre un record, en fait. Ouais, hein, et ce sera toute la difficulté du trophée Jules Verne l'année prochaine. Ce sera d'arriver à avoir l'enchaînement météo. On voit que les bateaux ont la capacité d'atteindre les vitesses qui permettraient de battre ce record. Mais il faut avoir un petit peu de chance sur l'enchaînement météo. Ça y est. Voilà. Ah, le voilà sur les pontons. Catherine Hénaff, la secrétaire du pôle Finistère Course Large, qu'on vient de voir. Ses enfants derrière lui. Et il va remonter. Il a quitté le bateau. Il n'a toujours pas posé encore le pied à terre. Ça ne va pas tarder. Encore une partie de l'équipe Gitana. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est prévu dans le protocole. Voilà, théoriquement, là, il va remonter
il va remonter les pontons, arriver sur le quai et puis bien sûr soulever le trophée. Le fameux trophée, hein, un trident de Poséidon qui symbolise cette course mythique qui se veut davantage une odyssée d'ailleurs. Et puis au-dessous du trident, un globe. Un petit mot justement sur ce trophée hein, en bronze de 10 kilos. Il a été imaginé par le regretté Alex Picot, qui était chef de projet chez OC Sport et qui malheureusement nous a quittés lors de l'arrivée de la Route du Rhum 2022. Un accident de mer, on s'en souvient tous, qui lui a coûté la vie, ainsi qu'à François Naveillant. Tous les deux travaillaient chez OC Sport à Lorient. On imagine qu'ils auraient été très contents aujourd'hui d'être là, bien sûr, pour assister à cette victoire. Vous connaissiez aussi Alex Picot, hein, Yann. Oui, ouais, bah c'est sûr qu'on pense à eux. Hein. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'ils nous ont quittés. Et on se souvient effectivement de leur joie, de leur sourire. Et donc ils seraient fiers, effectivement, quand Charles va soulever ce trophée. Trophée qu'il me semble n'a pas voulu toucher lors du protocole au départ. C'est possible. Par superstition. On leur demandait. Pourtant, il dit qu'il n'est pas superstitieux, mais. Ouais, mais je crois qu'il avait décidé de se réserver pour l'arrivée. Voilà, on le voit, le trophée. Le voilà. Ça y est. Wouhou! On entend nous d'ici le public qui crie. Ouais, super. Ça y est, il est à lui, il va pouvoir inscrire son nom sur ce magnifique trophée. Pour l'accompagner, un morceau de rap qu'il a lui-même choisi aussi, Charles Caudrelier, Tigre. Un classique du rap. Ouais, c'est un peu notre Coupe du Monde à nous, hein. Nous, marins, c'est vrai, de pouvoir soulever ce trophée. Alors, il devrait rejoindre la Seine, traverser la foule et puis rejoindre la Seine pour la suite de cette cérémonie d'arrivée. Il va y retrouver Serge Herbelin. Serge Herbelin, absolument, qu'on voit à tous les départs et toutes les arrivées de course et qui va nous poser aussi des questions. Voilà. La remontée. Le petit bain de foule. Le petit bain de foule indispensable. On l'imagine heureux. On le voit. Ouais, ouais. Bah, encore, tout sourire. Pas forcément évident hein, quand on rentre de mer comme ça, de se retrouver sous le feu des projecteurs. Ce petit bain de foule. On n'est pas forcément toujours très 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 à l'aise, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Hein, pour quelqu'un qui vient de passer 50 jours en mer. On n'est pas habitué, hein, nous marins, à de telles sollicitations. D'habitude, c'est plutôt avec les albatros, les mouettes et les dauphins qu'on fait chambre commune. Et là, en quelques heures, passer du huis clos avec la nature et se retrouver avec le public, c'est sympa. On va retrouver sa photo sur pas mal de sites, je pense, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'enfants. Beaucoup d'enfants, ouais. C'est les vacances scolaires, normal, ils sont venus. Peut-être qu'on trouvera parmi ces pitchounes les futurs grands marins de demain. Qui sait ? Le futur Charles Caudrelier. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en 89, lors du départ du premier Vendée Globe, je pense que Charles, moi, toute cette génération-là, on a rêvé devant ces pionniers. Et, oui. Anthony Marchand et Éric Perron qui sont encore en course aujourd'hui, hein, qui participent effectivement. Eux, c'est ça, c'est Loïc Perron lors du premier Vendée Globe qui leur a donné envie de faire du bateau, hein, ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Éric Perron racontait qu'il avait lui-même largué les amarres de Loïc Perron lors de ce départ du Vendée Globe en 89 au Sable d'Olonne. Effectivement, de quoi susciter le rêve et l'envie chez les gamins. C'est sûr, il y en aura un parmi les enfants qui sont là, qui sont les prochains acteurs de la course au large. Ça y est, on l'entend, qui arrive sur la scène. Voilà, le public qui l'acclame. Et Serge Herbin qui l'attend. Et notre bon Sergio.
Charles. On va l'écouter. Bravo. Regardez le public qui est là pour toi, Charles Caudrelier, mesdames et messieurs. Course. C'est une récompense pour un solitaire et j'ai envie de dire que c'est une récompense pour toute une équipe également. Oui, évidemment, c'est magique de vivre ça pour toute une équipe, pour tout. C'est vraiment un travail collectif, c'est ça qui, l'émotion elle est là. Moi je sais tout ce qui s'est passé avant, toutes les heures qu'on a, tous les doutes qu'on a eu, tout le travail qu'il y a eu depuis ensemble. Donc c'est ça qui est hyper émouvant. On a presque autant envie, on a bien sûr qu'on a envie de gagner, on est tous des égoïstes pour soi-même, mais on a surtout, quand on est dans une équipe comme ça, on a envie de gagner pour le collectif, parce que sans eux, moi je suis rien. Je sais pas, comme je dis, je sais pas utiliser ce bateau, je sais pas le dessiner, je sais pas le concevoir, je sais pas. Je suis un des maillons, et voilà, c'est celui qu'on met en avant, évidemment, mais derrière, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment comme la Formule 1 dans nos équipes, et voilà. C'est 10 ans de travail. Cyril Dardacci déclarait à qui veut bien entendre. Ces 10 ans de travail, j'ai cru lire, j'ai même lu, 170 000 heures de travail, dont 35 000 heures de bureau d'études. Juste récompense, alors. Ouais, c'est beaucoup de travail. C'est la chance de pouvoir aussi travailler dans des conditions optimum, d'avoir un armateur qui nous fait confiance depuis le début. C'est une équipe qui est montée doucement. Ils ont acheté un premier bateau. Et puis, ils ne voulaient pas construire au début. Ils ont commencé à s'étoffer, à faire des connaissances. Et puis il y a eu un vrai déclenchement, un vrai changement de quand ils ont commencé à construire des bateaux, mais toujours avec humilité, ils ont pris du temps. Et ce qui est la force de cette équipe, c'est qu'on a pris le temps, on a eu le temps, notre amateur nous a laissé ça. Aussi, notre amateur, par contre, à un moment, on a appuyé sur l'accélérateur. Enfin, j'étais pas là d'ailleurs. Hein. Enfin, j'ai commencé à être là, mais moi, je l'ai vu grandir cette équipe, parce que quand je suis venu les premières fois, elle ne construisait pas encore des bateaux, elle se posait des questions. Et il y a eu un premier bateau. C'était un IMOCA, et puis après il y a eu ce bateau complètement dingue, ce pari dingue, c'est d'y croire. Quand Cyril, à un moment, il a cette idée, de cette vision de voler, pas grand monde y croit, hein. On est même tous dubitatifs, et puis il arrive à faire adhérer ça, et puis ça part comme ça. Et puis ce qui est génial, c'est que la force de cette équipe, c'est qu'il y a des gens, bah, ils ont grandi dans cette équipe. Je pense aujourd'hui, Sébastien Sanson, qui est le directeur, par exemple, du bureau d'études. Il a commencé, je l'ai connu, c'était son premier job quasiment, enfin son deuxième, et il a grandi, on lui a fait confiance, et puis ça arrivait là, quoi. Et il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, et c'est la force de cette équipe, et en même temps, il y a des jeunes, voilà, je pense. Et c'est ça qui est, je crois que c'est ça la force de cette équipe, c'est qu'on a réussi à garder un noyau de talent, de compétences, et on se fait une confiance absolue. Voilà, je pense à mon ami Pierre Tissier, que je connais, avec qui je travaille. Je sais que quand il me dit ça va le faire, le bateau, je sais que ça va le faire. J'ai confiance en lui. Quand tous les gars. C'est tous ces petits détails-là qui font qu'à un moment, on arrive à construire quelque chose d'aussi beau que ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a eu des hauts, des bas. Hein, on est passé. C'est vrai qu'on vit beaucoup de hauts depuis 2019, mais c'est le fruit de tout ce qui s'est passé avant. Alors, tu réalises que tu viens de remporter ce Tour du Monde, qui est une première édition, l'Arkéa Ultime, oui. Chalon-le-Brest. Est-ce que tu réalises encore réellement maintenant, ou il va te falloir un petit peu de temps, plus de temps encore ? Ça, on va y penser tout à l'heure. Ça, je m'en rappellerai. Alors, bon anniversaire, parce que 50 ans hier, l'enjeu, ce qui aurait été idéal, c'est de faire 50 jours et 50 ans en même temps. On y a pensé, on s'est dit que c'était pas raisonnable avec la météo, et je crois que vous avez pu voir jusqu'à ce matin ou hier, je crois que le vent était pas génial. Je regrette pas, il fallait être patient. Et puis ça aurait été raté aussi notre arrivée. J'avais ce luxe de pouvoir attendre, et c'est un truc qu'on a envie de partager avec tout le monde, avec le public aussi, et de faire des belles images. Et hier, je serais arrivé un peu avec sous-toilé en sortant dans la nuit. Ça aurait été difficile. Et là, on a fait une arrivée parfaite. Généralement, je n'ai pas de chance sur les arrivées, parce qu'il se passe toujours un truc qui foire mes arrivées. Tu vois, le scénario était bien décrit. Hein. C'est pas mal, ouais. Je gagne, il y a Zidane qui annonce sa retraite, ou il se passe toujours un truc. Il y a un truc de sport, ou quand je regagne, Zidane, il dira non, ce qui revient. Enfin, tu vois, c'est l'enfer, avec le foot, notamment. Là, il y avait le rugby, donc j'aurais pu tomber mal. A priori, ils n'ont pas très bien joué, donc ça va. Je me suis dit, là, mardi, ils ne vont pas m'emmerder avec le rugby, ils ne vont pas m'emmerder avec le foot.
ça va être bien, il fera beau, on va pouvoir partager ça. Un tel grand vainqueur. Qu'on va faire maintenant, Monsieur le Président d'Arkéa, Président de Crédit Mutuel Arkéa, Monsieur le Maire, vont remettre le trophée de la victoire à Charles Caudrelier, qui va brandir ce trophée devant vous avec les journalistes qui sont là, avec les compliments évidemment. Mesdames, Messieurs, le grand vainqueur de cet Arkéa Ultime Challenge Brest, première édition, c'est bien Charles Caudrelier, le skipper du Maxi Edmond de Rothschild. Une récompense à donner à monsieur... Ah, je sais pas, vous l'avez peut-être dans la poche. C'est la médaille de la ville. Elle est ici, regardez, monsieur le maire, je pense. La médaille de la ville de Brest avec le nom de Charles de Caudrelier. Monsieur le maire, un petit mot, s'il vous plaît. D'offrir. Donc, très heureux de voir les Brestoises et les Brestois nombreux ici au Quai Malbert pour accueillir Charles Caudrelier pour cet exploit extraordinaire, hein, 50 jours, sur cette, je crois... plus belle course qu'on puisse imaginer, tour du monde en solitaire, sur les plus grands bateaux, les plus beaux bateaux du monde. Bravo Charles, je crois qu'il mérite vos applaudissements les plus nourris. Merci beaucoup. Bien, monsieur, vous restez avec nous. Charles, tu restes évidemment avec nous. On l'a dit, Charles Caudrelier, c'est une victoire collective. Et, bah, ce serait une bonne idée que de faire monter tout le team Gitana ici sur scène. Merci de venir nous retrouver, s'il vous plaît. On va vous applaudir bien fort. Montez sur scène maintenant. Et ensuite, on va faire venir d'autres personnalités ici sur scène. Voilà, Cyril Derdachi. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Bonjour, le team Gitana. Voilà, toutes ces personnes qui ont œuvré pour ce résultat extraordinaire. Charles Caudrelier et le Maxi Edmond de Rothschild, grand vainqueur de cette première édition de l'Arkéa Ultime Challenge Brest. Il y a du monde, hein, Cyril, hein, dans le team. Hein. Vous êtes combien, dites-moi ? Deux. Non, sérieusement. Non, on est 21 permanents et après, on fait appel à des prestataires. Mais globalement, on gravite autour d'une vingtaine de personnes. Bravo encore une fois. Applaudissements pour toute l'équipe, s'il vous plaît. Benjamin, ça va bien ? Voulez-vous nous dire un petit mot, madame ? Oui, pourquoi pas ? C'est votre marin, tout de même. Bah oui. Attendez, je vous confie un micro. Oh, on va l'ouvrir. Quelle belle récompense. Nous vous écoutons, merci, madame. Merci beaucoup. Je pense que je voulais rebondir sur ce que disait Charles. Je pense que c'était un tour du monde quand même très difficile. Et je pense que c'était un travail collectif et ça fait des années qu'on s'y prépare. Et j'étais très émue parce que quand on a mis le bateau à l'eau, les premières fois, je pense que les gens, un, doutaient de la viabilité d'un bateau volant, doutaient du fait qu'on puisse faire voler un bateau autour du monde sans discontinuer, ce qu'a fait Charles. Et ensuite, c'est vrai que plusieurs fois, on m'avait dit au départ, votre bateau est mal né. Donc je pense qu'il n'y a pas plus belle preuve que ce bateau est vraiment très bien né, parce qu'il n'a eu que des victoires consécutives ces dernières années. Et je pense que la plus belle consécration, c'est ce tour du monde. Donc c'est Charles que je remercie, toutes les équipes, et vous. Merci à vous, madame, et bravo. Merci beaucoup. Nous allons rester ensemble. Bonjour, Patricia Brochard. Nous allons rester ensemble quelques instants, parce que la cérémonie des cadeaux, Charles Caudrelier, n'est pas tout à fait terminée. Faire monter sur scène est ici madame Patricia Brochard de la classe ultime, la dirigeante de la société Sodebo. J'ai demandé à Édouard Coudurier également de venir nous retrouver, président du groupe Telegram. Madame Émilie Cuchel, qui est élue au conseil régional de Bretagne. Jean-Marc Puchois, conseiller départemental. Roland Tresca, qui est avec nous également. Merci de venir ici. Mais il y aura avec Hervé Favre et Roland Tresca, une remise de bouteilles... Ah, il y a beaucoup de monde sur scène, effectivement. Hein. Mais c'est bien, la scène est grande. Une remise de bouteilles de champagne et une montre Alpina. Alpina, Charles, qui était le
chronométreur officiel de cette épreuve. C'est lui qui a fait le décompte, hein. 50 jours, 19 heures et quelques minutes. Alors, la bouteille est ici. On va faire un petit peu de place si vous voulez bien. Vous n'avez pas volé la bouteille, les enfants. Je vous ai à l'œil, hein. Voilà. On va attendre que nos amis du team Gitana quittent la scène, mais c'était normal qu'ils soient avec nous. Charles, tu restes avec nous sur scène, hein, surtout. Hein. Tu restes bien avec nous sur scène, Charles. Merci à vous. On va attendre un petit peu. Merci beaucoup. Roland, je vous confie cette bouteille. Attention, elle est très lourde. Et Hervé Favre va remettre la Montalpina chronométreur officiel. Voilà, mon cher Hervé. Vous en prie, Roland. Bon, ben, Charles, je suis vraiment content de t'accueillir là aujourd'hui. Et puis, de te remettre cette magnifique bouteille de champagne. Franchement, c'était une course... On va la boire. Franchement, c'était merveilleux. On a vécu des instants... On a vécu 50 jours à regarder ce que tu faisais. Et c'était un vrai plaisir, plusieurs fois par jour, la nuit aussi, d'aller voir un peu ce qui allait se passer. Et franchement, on s'est vraiment... Non, t'as pas à être isolé. C'est des bons moments de se lever la nuit pour savoir ce qui va se passer sur la course. Et grâce à toi, ça a été merveilleux. Merci beaucoup. C'était une addiction, la cartographie. Hervé Favre, chronométreur alpinin, remet cette belle montre pour Charles Gaudrelier. Oui, ben voilà, on est très heureux de pouvoir offrir cette montre à Charles. C'est un bateau suisse avec une montre suisse. Je pense que la boucle est bouclée. Et il était à l'heure. Et il était à l'heure, 8h38. C'était vraiment parfait. Merci Charles. Allez-y, Hervé. Il a fait rêver pendant ces 50 jours. Exactement. Bah non, je voudrais juste remercier OC Sport quand même. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour OC Sport m'a appelé et m'a fait confiance pour mener ce bateau chinois. Et Hervé était dans cette équipe-là. Donc ils sont quand même étroitement liés à ce succès d'aujourd'hui et tout ce que j'ai appris dans ces deux campagnes m'a beaucoup servi. Donc j'en profite pour les remercier parce que j'ai réalisé aussi une de mes plus belles aventures avec eux. Merci, ça c'est beau de l'avoir dit. Roland Tresca, président du groupe Telegram. Edouard Coudurier, pardon. Président du groupe Telegram. Vous avez imaginé ce tour du monde avec le groupe Telegram et ça y est, il vient de se terminer. Ça a été un grand succès, c'est le moins qu'on le puisse dire. 6 bateaux au départ, il y en aura 5 à l'arrivée, hein, vraisemblablement, donc satisfait évidemment. Oui, absolument, je crois que c'est un beau succès. Et puis on le constate là, que c'est une première, c'est une aventure. Les choses ne se sont pas passées comme on aurait pu l'imaginer au départ. C'est difficile d'imaginer les scénarios. Il y a eu des tas de surprises. Et puis on a un magnifique vainqueur. Charles, qu'on suit depuis longtemps, parce que je rappelle qu'avant l'aventure OC Sport, dans les années 2000, au tout début, Charles a fait sa première saison Figaro sous les couleurs du Télégramme. Heureusement, depuis, il a trouvé des sponsors à la hauteur de son talent. Et donc, pour le résultat qu'on a aujourd'hui, puis je voudrais en profiter aussi pour remercier et féliciter les équipes d'OC Sport Pendwick qui ont organisé cette course, remercier nos partenaires Arkéa, la ville de Brest, la région Bretagne, le département du Finistère et tous les teams qui se sont engagés, la classe, et merci Patricia Brochard, toutes les teams qui se sont engagés alors que c'était encore une inconnue avec beaucoup d'aléas. Je crois qu'on en a fait un succès commun, donc c'est une grande satisfaction. Puis bravo Charles au team donc Gitana. Aux honneurs, au trophée, à tous ces discours. Et puis on va revivre un petit peu quand même cette arrivée. Hein. C'était tout à l'heure à 8h37, Yann. Ouais, magnifique arrivée. 50 jours, 19h, 7 minutes. On va revoir les images de ces très belles images de lever de soleil. Vous étiez certainement en direct avec nous sur France 3 Bretagne ou sur nos réseaux sociaux pour vivre ce moment unique, hein, historique, on peut le dire. Charles Caudrelier, premier vainqueur de l'Arkéa Ultimate Challenge Brest. 50 jours autour du monde et cette arrivée à Brest, d'où il était parti le 7 janvier dernier avec 5 autres concurrents. On le voit qu'il lève les bras, un moment... Bien sûr, plein d'émotions pour lui. On l'a entendu encore tout à l'heure, cette joie, cette fierté d'avoir mené à bien ce projet. Son équipe qui monte à bord.
à qui il a tenu à rendre hommage, là aussi, tout le team Gitana qui l'accompagne depuis 4 ans maintenant. Voilà, Charles Caudrelier, peu avant son arrivée à Brest, les pouces tendus. Ouais, une grande journée qui a démarré au lever du jour et qui se terminera sans doute demain matin au de nouveau au lever du jour. Assez tard, on va l'attendre, il va venir dans quelques instants, Charles Caudrelier, vous allez pouvoir le féliciter. Vous auriez pu passer a priori cette soirée avec lui, mais vous allez partir vers d'autres horizons. Vous allez quitter la Bretagne pour l'Islande dans quelques heures, donc pas de fête avec Charles Caudrelier, mais c'est vrai que la fête promet d'être belle, hein, certainement. Ouais, c'est vrai qu'on se demande comment ces marins trouvent l'énergie encore de venir fêter ça avec les copains. Parce que vous ne faisiez pas la fête. Si, ah bon. si. Ouais, mais c'est vrai qu'on se... Bref, il faut profiter de ces moments, même si c'est une journée interminable, même si il y a des sollicitations. Je crois qu'il a vraiment envie de partager ça avec tout le monde. Voilà, Charles Caudrelier qui a reçu tout à l'heure les félicitations des quatre autres concurrents encore en course. Thomas Coville, Armel Lecléache, Anthony Marchand et Éric Perron. Je vous propose de les réécouter. On va faire vite parce que... Bon anniversaire et surtout bravo pour ta victoire. Voilà, tu es en approche là de Brest. Un grand chapeau, t'es un grand monsieur. Bravo pour ton exploit et bravo aussi à... toute la team Gitana, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Bravo à vous et puis hâte de vous retrouver à Brest. S'il y a un truc qui m'a fait rêver pendant ce tour du monde, c'est ta trace. Well done, maturité technique, gestion, tu as su faire de main de maître parce que tu es un grand marin. Bravo. Pas d'autres mots, hein. Bravo. Donc un grand bravo à toi et à toute ton équipe, ton bateau. Très belle course. On aurait bien aimé se batailler avec toi, mais on n'a pas vécu les mêmes problèmes. Et puis voilà, c'était un peu différent pour moi avec mon bateau et la météo, mais c'est comme ça. Écoute, profite bien de ton arrivée. Bravo Charles et à toute l'équipe de Gitana. Vous avez fait un super boulot depuis de nombreuses années, c'est bien mérité. Voilà, j'espère que vous allez bien profiter de ces moments. Et puis j'essaye de faire au plus vite pour vous rejoindre. À très bientôt. Voilà, effectivement, ces quatre marins qui sont toujours en mer. Le prochain arrivé, c'est Thomas Coville, hein, vraisemblablement jeudi à la mi-journée. Il était encore ce matin à peu près 2400 km hein, de Brest. Et puis derrière, Armel Lecléache, Anthony Marchand, Éric Perron qu'on vient de voir et qui réalise le rêve de sa vie. Une belle aventure, on s'en souviendra de cette première Arkea Ultimate Challenge, Yann, loin, certainement. Oui, bah, c'est vrai que tous ont leur propre histoire, leurs propres souvenirs. Il y a de la joie avec la victoire de Charles. Il y a peut-être un peu de déception pour Armel, mais bon, on le voit Charles bondir une dernière fois son trophée. Son trophée et qui va nous rejoindre dans quelques instants, Charles Caudrelier. Ouais, on l'attend avec impatience. Ouais, ça fait un petit moment, hein, Yann, que vous piaffez d'impatience. Bah ouais, on aimerait bien refaire le match avec lui autour d'une bonne bière, hein, c'est sûr. Mais oui, n'oublions pas ces quatre ou cinq marins qui restent en mer, encore quatre. Encore quatre, hein, puisque Tom Laperche a abandonné, on s'en souvient malheureusement. Encore quatre marins. Et voilà Charles Caudrelier qui nous rejoint. Vous le découvrez à l'image. Bonjour Charles. Et les retrouvailles. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de wind, quoi. Ouais, toi. Ouais, j'étais sur la wing dimanche dernier. Hein, ah, je suis sur le groupe, hein, c'est le courant. Bonjour Charles, installez-vous. Félicitations, bon anniversaire en retard. Yann, j'imagine que vous avez plein de questions à lui poser. Allez, je vous laisse la primeur. Bon, ça va ? Bah écoute, pas mal. Y a ouais, pire, t'as l'air en forme. Ouais, bah j'ai les derniers jours, j'ai un peu dormi quand même. Parce que quand j'étais au large, ça allait, je pouvais dormir. Ça allait.
Et puis, ouais, non, écoute, bah, t'as l'énergie de la victoire, ça existe. Ouais, c'est pas une légende. Tu la sens. À un moment, tu te sens invincible un peu, quand tu sens que tout va bien. Qu'est-ce que vous retiendrez comme belles images, on va dire, de ce tour du monde? Le départ était génial, tous ces bateaux, c'était dingue. Après, moi, j'ai eu des passages quand même assez incroyables de Cap Horn, magnifique. Dans le sud aussi, quand je me suis arrêté, c'était beau, parce que pour la première fois, je contemplais un peu. Et je bricolais sur mon bateau, c'est des bons moments. Puis la bagarre avec Tom, c'était très sympa, les croisements. Je me rappelle d'un croisement de nuit, là, il passe juste derrière moi, c'était magique. Juste avant qu'il n'abandonne. Juste avant son drame, ouais, malheureusement, mm-hmm. pour Tom, mais bon. Il a la chance d'avoir que la moitié de mon âge, donc il pourra se consoler retourner, pendant ouais. 25 ans. Ouais. Moi, je suis bluffé, je trouve que Charles est resplendissant, quoi. Hein, on n'a pas l'impression que, ouais, qu'il ait fait, on a pas l'impression qu'il ait fait le tour du monde, c'est incroyable. Je crois qu'il avait une petite question, il voulait savoir ce que vous aviez commandé à manger pour votre premier repas à terre, hein, c'est ça Yann. Ouais. Bah, j'ai rien commandé, mais je pense qu'ils me connaissent assez bien dans mon équipe, j'espère que j'aurai de la viande, parce que c'est ce qui me manque le plus. Mais j'ai eu la chance quand même dans mon arrivée, je me suis quand même arrêté à Horta, malheureusement, c'était pas prévu. J'ai été très bien accueilli par les parents de Samantha Davis. C'est ah oui, marrant. D'accord. Et anglais, ils m'ont invité à déjeuner, j'étais un peu inquiet. Et sa maman cuisine admirablement bien à la française, et j'ai eu le meilleur steak frites de ma vie, c'était le premier depuis très longtemps, et j'ai eu ce steak frites magique. Et je pense qu'il restera gravé dans mes mémoires. Cette étape à Horta, elle vous a permis justement de refaire quelques provisions. Vous aviez emmené 45 jours de nourriture, je crois. Il en manquait un petit peu au bout si vous ne vous étiez pas arrêté. Ça a été un peu l'élément déterminant. C'est qu'à un moment, il fallait attendre 3 jours au large. Enfin, on ne savait pas entre 24 heures et 48 et 72 heures. Et je disais, une escale, c'était 24 heures. J'ai dit à un moment, et puis pour s'abriter, il fallait rentrer dans la zone des cétacés. Et en fait, si j'y rentrais sans m'arrêter, il fallait que je ressorte par le même endroit, c'était presque plus compliqué. Donc je me suis dit, je m'arrête, je vérifie mon bateau. J'avais peur d'une seule chose, c'était de perdre mon mât. C'est vraiment ce qui pouvait m'arriver de pire. Le reste, j'étais un peu confiant, mais ça, je ne pouvais pas le vérifier tout seul. Du coup, on a pris la décision pour ça. Et puis que la nourriture, j'ai dit à maman, mais j'ai vraiment plus rien. Quoi. Je me rationne, je peux tenir 2 jours, 3 jours, mais pas 6 jours. Quoi. Enfin, j'aurais tenu, mais s'il avait fallu, mais. Ouais. C'est vrai que de manger de la bonne nourriture, ça me manquait, j'ai craqué. Bon, et ce bateau, ce JTNA 17, nous, derrière les caméras, on a vu qu'il y avait quand même quelques stigmates, mais enfin, c'est quand même un formidable compagnon qui t'a accompagné. Ouais, il m'a jamais lâché, je l'ai un peu poussé. D'ailleurs, les avaries que j'ai eues, je suis un peu responsable. Après le front, j'accélère un peu trop tôt et je prends une mauvaise. Et le bateau part en survitesse et je tape une vague très méchamment et je casse mon bras. Enfin, le carénage. Donc, après, on savait que ces bateaux-là avaient été conçus pour ça. Hein. On voulait pas que le carénage soit structurel. C'est-à-dire que c'est vraiment que l'aérodynamique. Mais bon, c'est moi qui lui fais mal quelque part et je m'en suis beaucoup voulu. Quand on m'a proposé des solutions pour réparer et solidifier le truc, j'ai pas hésité une seconde. Et ça a été le premier avarie. Et après, il y a eu pas mal de petites choses, mais dont on s'en remet. Et la principale, après, ça a été surtout ma grand voile que j'ai ouvert en deux. Et là encore, je m'en veux un peu, mais bon, je suis qu'à moitié responsable. Mais il y a eu un petit problème, mais voilà un truc qui était, je pouvais pas anticiper. Mais je déchire cette grand voile et là, je me dis là, j'ai pas le choix, faut s'arrêter. Je peux naviguer deux ris jusqu'à l'arrivée, ça va être compliqué s'il y a pas de vent. Et puis les poursuivants qui étaient quand même pas si loin que ça avec la météo, ils revenaient fort. Et puis finalement, on réfléchit tous ensemble et puis avec North Sails, et on nous propose une solution et puis on la met en place et ça tient et ça marche très bien. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire un tour du monde comme ça, je crois. Mais c'est impressionnant parce qu'on répare avec des bouts une grand voile qui est déchirée en deux. Moi, j'avais jamais imaginé ça. L'intelligence collective. On a senti que vous aimiez bien quand même sortir la caisse à outils. Hein. Vous êtes découvert des talents de bricoleur. Ça t'a occupé, parce qu'il y a des moments, au début, j'étais occupé par Tom Laperche, mais une fois qu'il n'était plus là, je m'ennuyais un peu des fois. Parce que c'est long, hein. Parfois, là, on a beau aller vite. Quand il y a des bords, ils durent 3 jours, et 3 jours sur le même bord, c'est très long. Il faut s'occuper, donc on range le bateau, on le nettoie, mais à un moment, on fait le tour. Donc quand il y a du bricolage, j'aimais bien. Donc j'ai fait des trucs parfois aussi qui n'étaient pas utiles, mais que j'avais envie de faire pour avoir un bateau parfait. Je crois que tu t'es fait peur aussi, hein. T'as failli te retourner. Après, effectivement, je me suis fait peur une fois, mais vraiment peur, enfin deux fois. Je me suis fait peur une fois parce que
Dans le sud, en fait, j'ai tapé fort dans une autre vague. Là, j'y pouvais rien. Et j'ai cassé mon plancher. J'ai des oreilles à l'extérieur pour barrer. Et mon plancher est cassé. Donc, j'avais un trou, littéralement, dans mon cockpit. J'avais un trou de 2 mètres par 1 mètre. Et je voyais l'eau, quoi. Et en fait, j'ai tellement l'habitude de sortir par là pour aller charger les voiles qu'à un moment, je suis rentré par là et j'ai oublié qu'il y avait le trou. Et je me suis retrouvé dans le trou avec les jambes dans l'eau. Enfin, les jambes qui pendaient et juste tenu par les bras, je me suis rattrapé à un bout et remonté à bord. Et là, je me suis fait un peu peur. Et après, je me suis fait surtout très peur dans le poteau noir. Bêtement, je suis fatigué, je dors un peu et puis il y a un grain qui arrive, je le sens arriver, je sors. Le temps de sortir, le bateau, il était couché sur l'eau, 41 degrés sur un bateau comme ça. On est à la limite du chavirage. Il ne m'a pas trahi. Bon, pas de... Voilà, on est content de vous voir. Donc, Anti, on vous félicite encore pour cette belle victoire au lendemain de votre 50e anniversaire. Merci beaucoup, Charles Caudrelier. Je sais que vous avez beaucoup de gens qui vous attendent encore. Vous allez pouvoir profiter ensuite de vos proches, de votre famille. On vous souhaite un bon repos. Merci infiniment. Merci. On va, avant de se quitter, on va retourner voir quelqu'un que vous connaissez bien. C'est l'apnéiste Arnaud Gérald. Il est en compagnie de Gwenaël Bron. Il vous avait aidé dans votre préparation. On va le retrouver tout de suite. Merci beaucoup Charles et félicitations. Oui, je suis avec Arnaud Gérald, donc double champion du monde en apnée, 8 records du monde, rien que ça. Et donc Isabelle le disait, vous avez aidé Charles Caudrelier dans sa préparation. Quels sont un peu les points communs entre l'apnée et la course au large ? Je dirais qu'en apnée, il y a vraiment cette sensation d'être seul au fond. Alors c'est sur 3 à 4 minutes. Alors que Charles aussi, c'est plusieurs jours, 50 jours. Mais ce ressenti où on est seul et on est vraiment dans des moments où il faut vraiment s'écouter, écouter son ressenti et non son ego. Je trouve qu'il y avait vraiment du rapport avec tout ça, avec Charles. On a partagé pas mal de plongées ensemble. C'était une belle expérience. Et puis surtout, il a pu se dépasser et puis comprendre un peu mieux le ressenti qu'il pouvait avoir avec lui-même. Et non la data et les chiffres et les mesures qu'il peut avoir tous les jours avec le bateau. Indispensable quand on passe 50 jours avec des nuits extrêmement courtes, sans doute. L'apnée l'a aidé, selon vous, à faire cet exploit ? Oui, je pense que ça a ajouté un petit plus à sa performance. Mais voilà, Charles a déjà énormément de capacités. Ce qu'il a fait ces derniers jours, c'est extraordinaire, c'est historique. On ne se rend pas forcément compte, on se rend pas forcément compte du moment, mais je pense que dans plusieurs années, ça sera dans les livres et ça mérite vraiment... un énorme applaudissement, enfin, chapeau monsieur et chapeau l'équipe qu'il y a derrière. Et pour bien comprendre, l'apnée aide à quoi ? À lâcher prise, à prendre des décisions quand on est crevé, qu'on sait plus comment faire, enfin... L'idée, c'était de mettre Charles dans un élément extrême et de lui faire vivre des sensations aussi extrêmes. Quand on est en bas, à plus de 10, 20, 30 mètres, on a l'impression qu'on est au bord de l'envie de respirer, au bord de la mort, enfin, il y a un côté très extrême qui nous permet de vivre quelque chose de beaucoup plus important et de se sentir plus serein dans d'autres situations de la vie, dont ses performances qu'il a fait ces derniers jours. Donc c'était vraiment pour capitaliser toute cette expérience dans des situations à risque. Merci beaucoup Arnaud Gérald, merci. Merci beaucoup Gwenaël. Avant de se quitter, Yann, un mot donc de nouveau sur cette performance exceptionnelle de Charles Caudrelier. On l'a vu heureux, assez décontracté. Vous étiez content de vous voir, content de le féliciter. C'est vrai que c'est un exploit, on l'a dit tout au long de cette émission, sur ce bateau volant. Ça va marquer l'histoire de la course au large. Ça va révolutionner même la course au large. Ces bateaux, on le sait, vont jouer un rôle important dans les années à venir. Oui, et puis à travers ces premiers mots, on se rend compte que il a encore plein de choses à nous raconter, plein d'aventures et d'histoires qui lui sont arrivées sur ce tour du monde. En tout cas, moi, super fier de le voir et de voir la forme dans laquelle il est. C'est tout simplement incroyable. Merci beaucoup Yann Elias d'avoir été avec nous pour vivre cet événement en direct de Brest. On va vous laisser quitter Brest pour partir en Islande dans quelques heures. Merci infiniment, merci à toutes les équipes techniques aussi qui ont permis la réalisation de ce direct que vous avez pu suivre ce matin sur France 3 Bretagne et sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous bien sûr dans nos éditions d'information ici 12-13 et ici 19-20 sur France 3 Bretagne pour revivre les temps forts de
de cet événement. Et puis on attend de pied ferme ici à Brest les prochaines arrivées. Ce sera, si tout va bien, Thomas Coville jeudi midi. Et puis Armel Lecléache certainement le week-end prochain. Suivront ensuite, on l'espère, Anthony Marchand et Éric Perron. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne journée à tous et à très bientôt. We'll be right back.